c'est contre jour ou quoi, ta mère? Comment ça? Même pas cadeau de brigade, même pas d'armes. Ok, ok. Excusez-moi de vous déranger, je voulais savoir par rapport en fait si vous pouvez. Venons, on l'attend là. Personne ne bouge. Monsieur, on bouge pas. C'est une détresse. C'était une blague. En fait, on fait des vidéos sur YouTube. On les a braqués avec, ça, y'a rien dedans. Ah, mais non, Stanislas, toi, vraiment nouille. Hein. Je suis vraiment nouille. Merci, merci beaucoup. De rien, je suis un papillon. Bonsoir. Salut. Hello. Ça te dit quoi? Ça va ou quoi, les gars? Ça va et toi? Ouais, tranquille, tranquille, hein, tranquille. Ok, la vie de ma mère. Tranquille, tranquille, tranquillement. La vie de ma mère, soy el fuego la mañana. Excusez-moi, madame, excusez-moi. Excusez-moi, par hasard, vous voulez savoir si... Pardon? En fait, vous voulez savoir si par rapport à en fait... Bah, je crois qu'il est parti par là. Ah, ok, merci beaucoup. Au revoir. De rien. Ça va? Y'a une soirée ou quoi ici? C'est-à-dire? C'est une soirée là? Pourquoi vous me dites ça, monsieur? Pardon? Comment ça, il y a une forêt? J'ai pas compris. Là, Non, j'ai. Est-ce qu'il y a une soirée? Ah, une soirée? Bah, on peut la faire si vous voulez à deux. Comment ça? Il y a de la musique et ça part, soirée LTD. Non, je suis désolé, madame, je suis marié. Non, mais je. Je ferai une soirée. Je sais pas. Non, je suis désolé, ouais. Ok. Tu me draguer. Je peux vous servir quand même? Lève les mains tout de suite, les mains. Lève les mains. T'as un problème. Tu veux me draguer ça? Eh, moi, y'a Bella dans ma vie. Ça y est, à un moment donné, ça y est. Ça, tu veux me draguer ça? Oui, je travaille pour Bella. Ah ouais? Eh, la police. Eh, attends, reste là, toi. Eh, bouge pas. Attendez. Oui, c'est. Merci. Madame, tu sors, les mains en l'air. Sors. Les mains en l'air! C'est un otage! Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Lâchez cet otage! Ok, alors Ah! Putain, il est fou ce type! Putain! Oh là 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 là! Ah merde, Bobby, t'as plus de voix! Oh merde, putain, le mariage il a foiré! Oh putain! Ah là là! Venez, moi je vais vous le doigt! Allez, les gars, je me fais poursuivre par un mineur! Tango mineur! Arrêtez-vous! Arrêtez le monsieur! Tango mineur! C'est quoi mon code déjà? 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Les gars, les gars, je suis mort là, non? Plus ou moins avec cette voiture. Alors déjà c'est madame, moi pour savoir, alors à la base. Eh ben madame Juliette, on s'arrête. Alors c'est pas Juliette moi à la base, moi c'est Grégorine. Hop là je vais les bait. Arrête monsieur. Non je passe, attends madame. Je sais pas si je passe moi. Attends, je te pousse. Attendez, vas-y, ouais, merci. Ah ouais putain merde. Je passe pas, attends. Ah fais le tour. Oh les gars y'a un plan, oh les gars y'a un délire. Attends bouge pas. Ok, c'est le moment. C'est pas passé, merde. Ah putain. Tentative de merde sur un jeu de putain. Ah bouge plus toi. Oh merde, je suis mort. Il va me tuer. Ah j'ai pris le mal dans l'épaule. Ah fais fier. Oh merde. Je pisse le sang. Oh les gars, je les ai bait. Les gars, sans le vouloir, je suis trop fort. Bonsoir, vous inquiétez pas, je parlerai doucement. Ouais, dites-moi. J'ai pris une balle en fait dans l'épaule. Ouais. Et voilà. D'accord. Ok. Les gars, ça morfe. Les gars, j'ai eu un ticket sur moi, les gars, par rapport à l'hôpital. Parce que je criais trop. Attendez, tout l'hôpital s'est plein, les gars. Ouais. Attendez, il y a vraiment une pétition pour me ban. Vous avez besoin de soins, messieurs, dames, bonsoir. Non, du tout. Vraiment une pétition, les gars, pour me ban. Allez, venez avec moi. Oui, madame. Bonsoir. J'ai la cicatrice, bonsoir, vous inquiétez pas, c'est parfait. Je parlerai doucement, d'accord. Parfait. Ok, n'hésitez pas. Vas-y, allongez-vous. Ça m'a allongé, Fifi, en fait. Je peux toujours prendre des antidouleurs. Ok. Donc, nous allons vérifier, du coup. En fait, au niveau de l'épaule droite. Et en gros, il y a une balle qui m'a effleuré en fait. Parce qu'en fait, ouais, en fait, j'ai voulu voler le véhicule de quelqu'un sans qu'il avait une arme. Oui, c'est pas de sens. D'accord, donc du coup, il vous a effleuré la balle. En vrai, les gars, c'est bien. Non, la balle vous a effleuré. Et là, en fait, et la voile m'a effleuré. Non, vous inquiétez pas. La voile m'a effleuré en fait. J'ai failli vomir, madame. J'entends ça. J'ai entendu la glotte. Ah, pardon. Et en fait... C'est dégueulasse. Ah ouais, non. Ah ouais. Pardon, je suis désolé. D'accord. Attendez. T'as dû faire un coup, wesh. Oh non, je vais vomir, madame.
toussez, toussez comme ça. Allez-y. Vous savez tout. Remontrez-moi comment tout. Oui, est-ce que à l'accueil. Oh, bon, chef Franklin. Eh ben super. Est-ce que vous voyez un monsieur quéquette dans les parages? Il a une veste à fourrure. À fourrure. Voir... une veste à fourrure. Oui. Oui, du coup, bah, présentez-vous au monsieur à fourrure là dans le hall de l'hôpital. À tout à l'heure. Il s'appelle Quéquette. Appelez monsieur Quéquette. Attendez, je m'occupe. Attendez, j'arrive, je soigne un patient. Madame. Oh, pardon, il était beau celui-là. Vous foutez de ma gueule? Mais 5 dollars, madame, ça va. Mais déjà, vous me rotez dessus, en plus, vous me faites payer. Je suis désolé. Naïe, elle est où la chimio de mon père, de mon frère? La chinoise de mon père? Ça dit quoi? La chimio. La chimio. Putain, mais à chaque fois, c'est... il s'appelle Samira. La chimio, faut voir. Vous me cassez tous les couilles, toi et Andrew, vous me cassez les couilles. Mais ouais, mais son vrai nom, c'est jamais le prix. Bon, Stanislas, vous n'avez pas d'allergie? Mais non, j'ai pas. Ah si, alors les Arabes, alors ça, je peux pas me les voir. C'est pas si une allergie ou. Alors, je ne cautionne pas, d'accord? Mais je vous parle de médicaments, de choses que vous mangez. C'est une blague, madame, c'est une blague, quoi. C'est une blague. Oh, ça va, hein? D'ailleurs, je pourrais avoir un stage à l'hôpital, s'il vous plaît? Là, faut demander à ma directrice. Prendre. Ça va, rendez-vous avec la directrice? Ouais, si vous voulez. Mais attendez, je vous soigne là. Je lève votre t-shirt. Allez-y. Vous êtes prêts? Je désinfecte. 3, 2. Oh, alors là, faites gaffe, madame. Aïe. Aïe. Oh, incroyable. Eh ouais. Incroyable. Eh ouais. Bon, pas de démangeaison? J'ai plus le droit de crier. Mais pourquoi? Parce que j'ai plus le droit d'avoir mal. C'est illégal. N'importe quoi? Bah, si. Hein. Ah, d'accord, ok. Pas de démangeaison, pas de vertige? Non, ça va, des vertiges et... Oui, allô, oui. On est en duplex actuellement à l'Everest, des vertiges peuvent se ressentir actuellement. C'est bon. Ok. Allez, oh, vous avez un psy, madame? Pardon? Il y a un psy en ville, là, enfin là? Oui. Oh, je peux voir le psy, s'il vous plaît, pitié. Ouais. Il est où? Vous avez... Attendez, oh, calme, je... Oh, je vais le rendre fou. Okay. Bon, je vais rendre fou un psy. Le comble, quoi. Non, mais le comble. J'ai une mutuelle. Bah, faites voir votre carte. Ouais. C'est bon. On a trouvé. Tac, c'est ça. Waouh. Tac. Non, ça, je m'en branle. Tac, voilà. Vous avez vu? Si, médicaux. Ouais, ça. C'est bon? Donc là, c'est la réduction avec la mutuelle? Oui, c'est la réduction. Parfait. Oh, mais les gars, c'est incroyable. Les gars, j'ai une... Mais attends. Voilà, oui, concernant le... Oui, alors, on y va. Le psychologue, ouais. Non, mais le comble, quoi, c'est de rendre fou le psychologue, alors que c'est... Bonsoir. Ah, bonsoir. Salut, mon gamin. Bonsoir. Vous avez pas vu monsieur Quéquette? Ben non, monsieur Quéquette, il est pas là, non. Mais si, il était là, il a 2 minutes. Il est pas là, monsieur Quéquette? Mais si, je vais le rappeler, vous l'avez croisé, hein, franchement. Bonsoir. C'est fini. Bonsoir. C'est fini, hein. Ne vous inquiétez pas, je suis devenu calme. C'est vrai? Ah ouais? Ah, que coucou. Je suis fier de vous. Merci. On est tous très fiers de vous. Non, d'accord, c'est le mec. Arrête. Aïe, ouais. Bah, ils vous attendent. Ah, très bien, bah, je suis là dans 2 minutes. Vous m'invitez à mieux en vrai. Vous ne croyez pas qu'il a fait le cri à Michael Jackson? Non, mais vous inquiétez pas, maintenant je ne crie plus. Attention. Il y a pas de psy en service là? Ah, Josh, ça a l'air d'une fin de service. Le génie, on frotte la lampe et oups. Oh non. Merde. Quelqu'un peut faire le psychologue pour moi? J'ai besoin de me vider mon sac. Ah putain, vous êtes bien. Ah bah bon courage, hein. Quoi? Viens, on y va, le stagiaire. Oh, moi allez, je suis viens, expert, on va non, j'ai pas le droit. Merci, hein. Non, mais. Merci beaucoup. En fait, il y a un psychologue, donc faudra être balancé en lit, puis vous raconte mon histoire, quoi, en fait. On va aller en salle de psychologie. Et vous arrivez quoi? Bah, en fait, c'est beaucoup de problèmes et de la pression. Est-ce que vous voulez parler à Terry, vous voulez parler à Terry, l'EMS? Non, moi juste parler à un humain, en fait, en réalité, quoi. D'accord, vous allez... Il vous faut quelqu'un avec du répondant. Du coup, je vais ramener Terry de la testerie, d'accord? Très bien. Faut aussi écouter du naps, hein. Ok. Faut pas hésiter. Moi, je suis Simulops, arrête, en fait. Arrête, MD93, ouais! Non. Ouais! Et ça fait ouh et... Je t'ai dit, tout. Merci, MD, merci pour les 17, mon frère. T'as un bon. Bien vu, le S. Allez.
Et je peux m'allonger quelque part? Oui, bougez pas, bougez. Oula, 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 oula. Vous allez bien, vous allez bien? AMD, merci pour les 10 subs encore, mon frère! On va s'occuper de toi. 3 salades de champions, Slick 9-3. Avec l'argent de la zipette, les gars! Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup! Itzel, tu peux m'aider pour le lit dépliable, pour favor? En attendant, il va appeler Terry de la testerie, d'accord? Ta gueule. Non, c'est une blague, c'est une blague. Ça va pas? Non, mais descendez, c'est plus comme avant maintenant, ça y est. Merci, AMD! Après, je te connais pas. Deux! Je sais pas comment t'étais avant. Non, ça y est. C'est la même démo, c'est Intel. Pas mal celle-là. Ah, c'est bon? Ok, super. Super, super. Ah! Ah, c'est bon. Merci. Oui. Je vous écoute. Je suis Télé de la testerie, d'accord? Bonsoir. Donc, en gros, j'ai des. En fait, c'est des problèmes que j'ai du mal. En fait, moi, c'est un créateur de contenu. Et en fait, moi, c'est vraiment une sorte de travail qui est affolante. On doit faire des vidéos toutes les une fois par semaine, on doit faire une vidéo. La charge de travail, les gens, ils s'en rendent pas compte. C'est impressionnant le temps qu'on met à faire une vidéo et qu'à chaque fois, on nous croise dans la rue parce qu'on est des stars. Moi, c'est compliqué de... C'est compliqué, mentalement parlant, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Oui, vous supportez pas la pression, ce que vous êtes en train de dire? Oui, ben on gagne plus de 70 000 dollars par mois. Je sais pas, moi, comment je fais que... Je tombe en dépression, moi, ça y est, quoi. Ils connaissent pas la charge de travail d'un youtubeur. Vous faites souvent... Vous savez... Pardon, vas-y, collègue. Vous faites souvent reconnaître dans la rue? Ouais, bah oui, c'est ça. Et en fait, moi, du coup, je les tape, mes abonnés, maintenant. C'est... Je peux plus, c'est relou. Une fois, j'ai vu un petit, j'ai dû lui mettre un chassé dans la gueule. Comment je fais, moi, pour être tranquille avec ma femme? Tranquillement, je peux pas. Regardez, vous savez ce qu'il faut faire? Dites-moi. Merci AMD, merci mon frère. Pour les personnes aussi qui ne se rendent pas compte de votre charge de travail, oui, il faut leur dire que c'est un peu comme un travail d'art. Vous voyez par exemple les peintres? Ok, donc c'est un travail d'arabe, ok. C'est ça que vous me dites? Non, c'est pas ce que je dis. C'est que quand vous subissez une lourde pression comme ci, n'hésitez pas à prendre du recul sur la situation afin de mieux en ressortir. Vous avez raison. Faire des pauses, c'est rien de mal. Mais moi, le problème aussi, c'est aussi des Arabes. C'est que le fait... Je comprends pas pourquoi en Amérique, on doit les côtoyer ou quoi. Parce que nous sommes un pays qui accueille beaucoup de monde, peu importe la civilité ou d'où ils viennent. Nous sommes un bon pays, un pays gentil. Ah, America. Et donc, eux, ils ont pas été civilisés. C'est ça, en fait, vous me dites. J'en sais rien. Arrête. Mais en fait, moi, je comprends pas en fait pourquoi chacun des kilométrages qui nous séparent me donne de la force pour tenir. Tu es loin de moi, mais l'amour me donne des ailes pour faire face à la distance qui nous sépare. Notre amour ne connaît pas de limites. Nous vivrons ensemble, des jours heureux, car je t'aime. Et c'est ça qui est important, car c'est notre cellulaire de corps qui... C'est notre cellulaire de corps qui devient dur par rapport aux hormones vitales et la carte vitale qu'on introduit dans mes fesses. Et c'est pas ça, les gens qui... Car si vous voulez soutenir la chaîne, tu peux prendre un sub en cliquant sur le lien de messager directement que les gens qui... Bah, vont d'avant, MDR, que les gens qui après un rhume, qui ne connaissent pas les télopes et les longs coups, les moyens coups. Oui. Attends, déjà. D'accord. C'est ça. Du coup, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais vous savez ce qu'il faut répondre dans ce genre de cas? Oui. T'es ma fierté. T'es mon bonheur. T'es mon oxygène. Vous avez la suite? Oui, mon oxygène. Mon oxygène, c'est ça. Mais que les gens qui comprennent pas que moi, que chef Gomi, que les gens qui comprennent pas que c'est un travail, qu'avant tout, que les gens qui croient que c'est pas le travail,
que l'Amérique et la musulmanie qui s'accordent ensemble. Que les gens oui, qui... C'est pas vous qui quittez le quartier, c'est le quartier c'est ça, qui ne peut pas comprendre. Que moi, c'est pas ça que je fuis le conflit. Que je pas... que Joe Biden... J'ai l'impression que ça vous soulage. Ce que vous dites, allez, c'est... Oui, bah oui, c'est pas facile. Que les gens qui comprennent pas que les sirops, c'est les petits, les oiseaux, qui... C'est pas nous qui l'avons tué, c'est ça. Que les gens comprennent pas qu'il est pas... Vous avez commis un meurtre, Seigneur. Oui. Psst, on fait quoi? Je sais pas, je... On a psychiatrie. Et là, c'est l'islam qui fait peur. Psychiatrie, hein. Puis là, ah ouais. Qu'il est... Il a dit dinahoy, ça c'est un fou. Il est malade mental. Vraiment, what the fuck, hein. C'est ça, c'est... Mais moi, à la base, c'est tout. Fuck all my dad, all mes. I'm on early from my mama. Et attendez, vite pour finir mon discours. Moi, je pense qu'il faut plus aller sur du maître Gims vite, hein. Game over. Hein. Ça part toujours. Attends, j'ai une idée. Seigneur, faut que vous écoutez cette musique. Dites-moi. Non, déjà, votre rôle, c'est de décoder les paroles du patient. Mais moi, j'ai jamais fait ça, moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Ok. Moi, ce que je pense que vous devriez faire, c'est écouter du maître Gims. Et moi, je vais faire écouter quelque chose. Ta pop, mais t'as disparu. Comme designer. Et ce distro kid, c'est aux galeries. Pop, t'es designer. Même quand Zorf fait de l'argent. Zorf fait des virements USD. PDF, Osiris Deck, à les documents coffrés en USB. Mais c'est moi. C'est moi, wesh. C'est vous? C'est moi. Ah ouais, c'est vous? C'est moi. Ah ouais, c'est vous? C'est moi. Mais c'est lui? Free Israel. Quoi? Non. Bah oui, enfin. C'est Free Steady, bah non, c'est le nom de la musique. C'est le nom de la musique. C'est le nom de la musique. Rien. Ouais, non, c'est le nom de la musique, y'a rien. Non, mais t'as lâché ça comme ça. Ah ouais. Vous avez quel âge, vous, tous les deux, là? Ouais. Il y a 21 ans. Ah ouais, c'est jeune! Non, mais. Comment mais 13 ans moi tu parles pas d'âge. Ah ouais, non, mais ouais, quoi. Ouais. C'est vrai que t'as une histoire qui a un background d'un coup. Ouais, on peut l'écrire ensemble, ouais. Oh. L'histoire, ouais. Pas mal. On peut faire notre histoire à nous, quoi. Non, mais ouais. Après, c'est comme tu veux. Hein. Comme je veux. Ah ouais. Faire ça comme je veux, ouais, allez, déshabille-toi, allez. Ouais. Non, mais ouais, quoi. Ouais. Tout le monde se met à poil, allez, ouais. Excusez-moi. C'est pour l'aider psychologiquement. Non, excusez-moi, pardon, excusez-moi. D'accord. Mais, what the fuck. Non, mais en vrai, de temps en temps, c'est bien de voir les petits coups, les longs coups, les moyens coups, les télopes, les siroses dans l'amour ou dans les prés. Et pas loin, l'amour, c'est la vie. Et caco, qui fuit sur un cheval. Sur un cheval qui grandir. Que la vie n'est plus à faire que la terre. La vie n'est pas d'attendre que la tempête passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est ça. Ok. Qu'ils comprennent pas que la charge de travail des YouTube. Moi, AMD. Merci AMD. Moi, c'est ce qu'ils sont encore plus. T'as cassé la location, il faudra que tu payes la cause. Il faut me dire, Seigneur, il faut me dire ce que vous avez. Non, mais il faut me dire. Personne ne bouge. Personne ne bouge. What? Personne. Quoi? What the fuck? Personne ne bouge, je fuis l'hôpital. Non. Oh merde. Oh putain, sa mère. Ah, papa, on n'avance plus. On recule. On recule. Putain, il a pas peur. Lamar est recherché. Je sais même pas qui c'est, mon frère Lamar. Tina. Les gars, faut qu'on aille au gouvernement demander qu'est-ce qui devient la Rock'n'Sox.
Et que, hey, les gars, mon argent, il est comment? Ah ouais, putain. Merci, j'ai rien pour le tiens-moi. Camion! Lame. Ah! Omar, ton patron? Mais attendez. Go prendre un véhicule en parking rouge, les frères. Ah ouais? Alors c'est des caisses carreaux pour le casier, moi. Moi, je pense, les gars, il y a moins de. Moi, tu fais une hama, tu wipe et tu refais le même perso. Non. Tu sais que là, j'ai une envie de faire du RP flic, les gars. J'ai une envie de faire du RP flic. Bonsoir, madame. Merci. Hein? Mais comment il y avait une dame dedans? On prend bijoux. Ouais, on va voir, les gars. Est-ce qu'il y a des gens que vous travaillez? C'est plus ici le gouvernement, je crois, c'est dans le nord, non? Allô, bonsoir. Bonsoir, je vous écoute. Oui, excusez-moi de vous déranger. J'aimerais savoir, est-ce que je pourrais prendre rendez-vous avec vous, s'il vous plaît, pour m'aider à trouver un emploi? Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de bêtises dans le passé, j'aimerais me ranger maintenant. Pas le Pôle emploi? Pardon? Je ne suis pas le Pôle emploi, monsieur. Mais on m'a dit que vous pouvez appeler le gouvernement pour pouvoir m'aider à trouver un travail. Et à quel moment? C'était hier, on m'a dit ça. Qui vous a dit ça? C'était le gouverneur, il m'a dit, vous pouvez appeler le gouvernement. Monsieur le gouverneur vous a dit ça hier alors qu'il était pas là? Bah oui, il m'a dit ça par mail. Vous foutez pas de ma gueule, monsieur, s'il vous plaît. Ah, vous pas de votre gueule, monsieur. Au revoir, monsieur. Bah non. Ah non, monsieur, bah non, mais... Bah je vous baise, moi. Hop là. Ouais, les gars, c'est des flics derrière moi pour. Attends. Les gars, je suis fou un peu là, non? Merde. Salut à tous, aujourd'hui TikTok feinte pour pouvoir montrer comment faire poursuite avec flic derrière. Donc c'est simple, tu fais ça. Tu esquives le camion. Tu fais là. Tu fais esquive. Là, tu fais le petit saut comme ça. Tu vas ensuite là. Tu fais gauche-droite. Tu fais droite, encore droite. Tu fais beaucoup droite. Tu fais beaucoup. Lui taper beaucoup le camion. Tu fais de gauche. Tu fais gauche-droite. Gauche, droite. Tu fais beaucoup pour pouvoir esquive. Tu vas le faire ça, tu fais ça. Là, tu tournes jusqu'à vomir. Ça. Une fois tu as bien vomir comme ça, là, tu perds. Tu perds comme ça, et là, tu dis le maman les couilles, salade. Tu te bats les couilles, comme ça, qu'il est parti les gens qui comprennent pas. Si tu fais poursuite, tu fais le poursuite comme ça. Et là, tu vas gagner. Quand ce fils de pute il est revenu, là c'est TikTok parti de. Quand TikTok il est revenu comme ça, culé, tu vas revenir là, tu vas faire comme ça. Tu fais gauche. Voilà, là tu attends que. Connard, il est pas. Et clairement, j'ai pas vu. Sauf qu'il est très con. Moi, je barre à pied. Pendant que fils de pute, il est resté là-bas. Je prends le grou. Je monte dans le grou. Il voit que lui est là-bas. Ce connard, il est resté là-bas. Je monte dans le grou. Que il est...
Il va bonsoir que j'y vais en bas. Maintenant, jette de la merde, j'ai pas parachute, je vais rester là-haut. Je vais rester comme pichot, parce que j'ai pas parachute. Et là, je reste là-haut comme pichot. Comme l'oiseau que les lois. J'ai pas un parachute parce que je connais. Carré faudes. J'ai mélangé tous les accents. Ah, ils sont partis. Bah, les gars, ils sont partis. Les gars, ils sont partis, non? Oh non, ils sont en bas. Ils me cherchent. T'es où, ils sont en bas, vous avez vu ou pas? T'es où, ils me cherchent? Merde, 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 merde. Ah, il m'a vu. Il m'a vu? Ah non, il m'a vu. Oh non, oh non, oh non, oh non. Merde, une bise. Merde, merde. Wesh, ils ont volé la voiture. Hein? Ah les bâtards. Ah les bâtards, ils ont juste volé ma voiture. Ah les bâtards. Eh ouais les gars. Donc voilà, si tu fais un tutoriel, tu abonnes, tu fais le... Tu republies, tu fais le toi, tu les en dis, voilà. Voilà, tu as fait le truc. Voilà les gars, c'était un petit tuto. Oh rapide. Attendez, hop. Hop, pouce. Hop là les gars, c'est bon. À quand la partie 2 du tuto? C'est déjà fini, je suis faire du tuto là, j'ai mis. Ça, j'imagine un perso turc comme ça. Je sais même pas c'est quoi, c'est portugais, turc. Attends, mais les gars, merde. Mais merde, quoi. Ah, c'est là que je vais devoir descendre. Et là, je vais descendre. Oh là, je vais avoir peur. C'est un mélange, un peu. Pourquoi? Non. Non. Mais pourquoi? Donc voilà, tu veux faire le tutoriel, fils de connard. Tout ça pour rien, mon frère. Mais les gars, j'ai... Il y a un bug, les gars, je fais un report, là, non? Sah tout sah. Sah tout sah. Sah tout sah. J'ai eu un bug possible de me revive. Non les gars, c'est un bug ça, je suis désolé. C'est pas normal les gars que je tombe comme ça du vide. Non? Y a pas eu de bug, c'est normal. Mais non, normalement ça glisse. Mais non frère. Ils vont te dire... Oh! Merci. Beaucoup. Ouais, personne à qui répondre. Merci beaucoup! Merci! Merci beaucoup! Espèce de menteur! Tu es un menteur! La vie de ma mère, j'ai eu trop peur!
T'es un menteur. Mais non, je te jure, j'étais dans la grue et j'ai glissé, c'est tombé dit tout seul. Non, ça c'est mérité pour la raison. Non, non, non. Pour toutes les fois où tu m'as pété les couilles. Ah, à l'aide. Aux OMS. À l'aide. Oh le bâtard. Vas-y, viens. Vas-y. Vas-y, viens. Viens maintenant, viens. Ah, ça bâtard. Tiens. Tiens, staff, pas staff. Aïe. Arrête. Arrête. C'est fini pour toi. C'est fini. Tu es mort. Est-ce que je fais bien le squelette sur Minecraft? Oui, tu vois. Ça, en vrai. En vrai, il doit revenir. Ça me dit quelque chose, ce bruit. J'arrive pas à savoir c'était quoi. Merci, merci beaucoup. Merci, Viggy. Je préfère la viande. Viggy, la viande. Yolé, allez, au revoir. Un taxi, s'il vous plaît, un taxi. Attends. Mais ouais, je dois appeler le bouc de Kamal, mais j'ai pas son numéro, les gars. Da da da, va da da, mon frère. Ah, attendez, comment j'ai le numéro de Tesla ou pas, les gars? Putain, j'ai aucun contact, mon frère. Oh, il y a une moto. Si, c'est Adama. Les gars, pensez à me tirer dessus ou pas? Expérience sociale aujourd'hui, voir si le monsieur est tiré moi dans avec le pistolet. Non. J'ai son numéro, c'est Adama. Regardez les gars, les flics, ils cherchent un véhicule comme le mien. Plus c'est gros, plus ça passe. Allô. Allô, Adama. Oui, comment tu vas, petit branleur? Ça va, et toi, Adama? Ça va, mon frère. T'es dispo dans 15 minutes, j'ai peut-être une mission là pour toi qui est chaud. Ouais, c'est grave dispo, mais carrément, carrément, je voulais être Céus à la base, c'est pour ça que je t'appelle. Ah, Omar. Numéro là, moi, pour la mission de tout à l'heure, 23-23, enregistre-le. T'inquiète, oui. Vas-y, Damar. C'est quoi, laisse-moi finir mon rendez-vous et puis je te. Bah non, c'est comme ça. Vas-y. Damar, vas-y, c'est comme ça. C'est conduire ou quoi, ta mère? Eh, t'es un connard, toi, yo. Comment ça? Mais t'as voulu nous rentrer dedans, là. Mais n'importe quoi, mais les gars, vous doublez par la droite, les gars. Eh, braque-le, cet enculé, là. Même pas qu'à deux brigades, j'ai même pas d'armes. Putain. Cousin, ouais, j'ai pas d'armes, t'es sûr. Ok. Putain, pourquoi tu nous fais ça? En plus, t'es là en train de nous insulter comme des cons, là. Désolé, les gars, désolé. Voilà, c'est bon. Allô la police, oui, deux motards actuellement au niveau d'Arcadius. Je vais te baiser ta mère. Allô. Allumé, roule, je vais te baiser. Ok, roule. Mais est-ce que tu peux esquiver la voiture? Ah bah non. Ah bah non. Ah ouais, t'es sûr? Ah ouais. Non, certain, mais... Certain. Vas-y, viens. Vas-y. Putain, mais t'es con. T'arriveras pas à esquiver la voiture. Vas-y. Je vais te fumer, mec. Vas-y. Aïe! Tu vois ce jeu? Non, mais t'inquiète! Vas-y, ça a l'air d'être un con! Faut y aller! Je te jure! Alors là, si je les fume pas les deux, si je ne percute pas lui, alors là, c'est ma mission du soir quoi! Alors ça là, si je prends pas mon pare-soc à 200 km/h, alors ça. Merde! Toi, si tu manges pas mon pare-soc à 200, ah, tiens, aïe, voilà. Ah bon, mais là, t'es dans... Tu m'as lancé au défi, hein, mec. Je suis désolé, les gars, il m'a lancé au défi. Ça, tu connais cette date, mon frère? Comment ça va? Les gars, il m'a défié. Il a voulu me défier. Voilà. Bien vu sur le online, rien à voir mon frère. Il va te report. Bon, je suis désolé, il m'a mis au défi. À un moment donné, c'est le jeu quoi. Salut, c'est moi pour le rendez-vous, c'est moi. Le rendez-vous? Ouais.
Attends. Rendez où? C'est pour moi. En fait. Qu'est-ce que tu fais? Bah on est amis. Bah non. Bah c'est pas toi Zéro. Ah non. Attends, je me mets là. Non, c'est pas moi. Vas-y, vas-y. Bah viens, on passe à soirée ensemble. Bah non, là, je t'avoue que j'ai des trucs à faire. T'inquiète, t'inquiète, c'est avec toi, vraiment, vraiment, vraiment. Non, non, mais vraiment, j'ai des trucs à faire, je dois aller chercher quelqu'un, alors j'ai un appel d'ailleurs. Bah, je vais montrer dans le coffre, t'inquiète, vraiment. Ouais, Wyatt. Oui, tu trouves? J'ai trouvé. Parfait, bah on voit la pause, j'arrive. Bah attends, faut que je... Enfin, la banque vient d'ouvrir, faut que j'y aille, là, ils m'attendent. Vas-y, bah on se joint à la banque si tu veux. Ok, ça marche. Vas-y, go. Tu veux que je t'emmène à la banque? Ouais, vas-y, on va ensemble. Mais c'est quoi ton petit nom? Moi je m'appelle Sean. Sean, très bien. Tu travailles dans quoi, Sean? Pour l'instant, je travaille nulle part, je viens d'arriver. Très bien. Salut, moi c'est Stan. Comment? Moi c'est Stanislas. Stan, Stanislas, ok, bah enchanté. Stanislas, tu fais quoi? Tu bosses dans quoi? Moi je suis gay en fait au quotidien, donc je suis quelqu'un d'assez joyeux quoi en gros. Ouais, j'ai compris. Ouais. ça se remarque d'ailleurs. Ça se voit que t'es gay quoi. Et content. Mmh. Ouais, c'est ça. Et en gros, toi c'est Sean le mouton, c'est ça? Non. Sean l'arabe? Non plus. Ah, heureusement. Pourquoi? Bah non, mais parce qu'on connaît, enfin tu vois les autres, enfin ils sont... Ah. Ils ont pris le monopole déjà du monde, bah à un moment donné ça y est quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, et tu fais quoi dans la vie? Bah quand je t'ai dit pas grand chose, je viens d'arriver. Ah, tu viens d'arriver? Ouais, je suis arrivé hier. En ville? Ouais. Et tu t'es pris une petite voiture, c'est ça? C'est pas moi, ça. T'as qui? Le monsieur que je rejoins à la banque là, mon ami à moi. D'accord, tu vas faire quoi dans la vie? De quoi? Tu vas faire quoi dans la vie? Je risque de travailler dans un garage. Tu risques? Ah ouais, c'est dangereux ça. Bah je risque vraiment, j'ai des chances de travailler dans un garage plutôt, on va dire. Ah d'accord. Attends mais c'est bien. Toi t'es plus voiture des catafoutubes stage 3 quoi. Bah j'aime bien les américaines mais bon là écoute on me l'a prêté donc je vais pas cracher dessus. Je préfère les marocaines personnellement, c'est pas ce que je veux dire. Clin d'œil. Je vois, ouais. Tu sais pas où c'est la Woodbank, toi? C'est là? C'est... Ah si, la Woodbank, c'est là! Ah, bonsoir! Je pense, ouais. Salut, mec, ça va? Bonsoir! Ça roule? Ça va et toi? Toujours, hein? Vous avez rendez-vous avec vos dossiers? Ouais, nous aussi! Ouais, normalement, ouais. C'est bien l'heure? Ouais, bah bien sûr, c'est ici! Ok, nickel, ouais, parfait. Ok, enfin, vas-y, les gars! Bah, je te laisse descendre, vas-y. Stade, vas-y! Vas-y, on va ensemble! Bah non, t'inquiète, mais je te suis, t'inquiète. Bah non, je vais j'ai des trucs, vraiment des trucs à faire donc je... Non, je vais t'aider, t'inquiète. Bonsoir, monsieur Wood. Non, non, t'inquiète. Non, mais vraiment, t'inquiète. Je suis devant la banque. Les gars, on va le saouler, mesquine. Ah, l'intérêt est là. On va attendre. Ouais, on va attendre. C'est ça, on va attendre qu'ensemble. Le mec grave relou. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, monsieur Wood. Bonsoir, monsieur Wood. Bonsoir. Ça va? Allez, oui, ça va, il faut. Ça va, super. Suivez-moi. Merci. Monsieur derrière, vous pouvez me suivre aussi. Les gars, je me suis inventé dans un rendez-vous, frère. Alors, si je dis pas de bêtises, pour le monsieur derrière, c'est l'ouverture d'un compte, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, vous pouvez vous diriger au niveau du guichet là-bas. Il y a ma conseillère qui va vous donner tout ça. Je fais un dépôt de plusieurs millions, j'arrive. Oui, c'est pour un dépôt. Ouais, ça marche. Attends, déjà 2 secondes. Allô? Allo. C'est les jigbars, votre sacoche, monsieur. Oui, parce qu'en fait, j'ai caché de l'argent dedans. C'est pour ça. Oui, pour le transfert d'un compte à un autre, il n'a pas été fait encore. Elles sont tout de suite plus motivées quand il y a Pourquoi t'as une tête un peu avancée comme ça? C'est étrange. Pourquoi tu manques un œil, Freud? Venez tous les deux à la banque. Merci, monsieur Wood, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Bah, t'arrives, attends-moi. Bonne soirée, monsieur. Non, mais attends-moi, t'es médecin? Bah, attends, je vais juste à l'ATM, là, voir si ça fonctionne. Ça marche, vas-y. Ok, en vrai, ça prend 2 secondes. C'est grave pour moche, les gars. Mais les gars, il est trop lenti. Bon, monsieur Wood? Ouais. Moi, c'est pour rendez-vous. Donc, alors, j'ai 2 questions. Dites-moi. Déjà, en fait, moi, je travaille dans l'illégalité, donc en fait, j'ai beaucoup d'argent en espèces que je peux pas déposer dans mon compte. Et je voulais savoir si vous pouvez faire un dépôt comme ça, de vous déposer de l'argent et mettre dans mon compte une grosse somme. Alors, non. Vachement con comme question, quand même. Ouais, pas du tout. Donc ça c'est la première question. Et la deuxième question, je voulais savoir si c'est possible d'avoir un prêt à taux de 0%. Non plus. Ok.
Bah merci beaucoup. Bah moi je change de banque, je suis Crédit Mutuel maintenant. Merci, au revoir. Bah ça marche. Salut les pour moi. Oui. Oh non, il est parti les gars. C'est bon, celui-là, merci. Je... Ouais, je... Non, j'arrive. Non mais t'inquiète, celui-là. Alors vas-y. Oh putain, le con. Ah. Je te... Attends, je te laisse. Merci. Je te laisse. Eh, à une seconde près, t'étais parti, ouais, quoi. Ouais, putain, je t'avais pas vu. T'inquiète. Ouais. T'es boss. Vas-y, on y va. Ouais. Donc c'est bon, t'as pu faire ça au compte? Ouais, c'est bon, ça y est. Ok, t'as ton permis et tout, c'est bon, t'as tout fait ce qu'il fallait faire? C'est bon, j'ai tout fait. Parfait. Bon, maintenant, t'es quand ici? Ouais, moi, ça fait plus de 8 ans et demi. Ok. Que je suis ici. Donc voilà quoi. À l'époque, j'étais au Mexique. J'ai fait aussi le Maroc, Chefchaouen, donc Meknès. Voilà, j'ai fait un peu toutes les villes au Maroc. J'ai beaucoup né tours. Donc okay. Voilà, j'ai fait aussi en France. Hein, j'ai fait Barbès. Barbès, c'est un peu le Maroc en fait de la France quoi. Donc voilà, Maroc. J'ai fait Barbès, Tunis, Alger. Voilà. Tout ce qui est... Voilà, j'ai fait aussi un peu Saint-Denis. J'ai fait toutes les épices de Saint-Denis. Donc, on peut dire que je suis allé en Inde. Donc, okay. Voilà. Toutes les épices de Saint-Denis, j'ai fait ça. Attends, oui. est-ce que ça t'intéresse un petit stage découverte ici? Ouais. Okay, bah, carrément. Oh, putain, ouais, t'as un truc dans l'œil. Putain. Bah, souffle. Écoute, essaie de demander si tu peux faire un petit stage découverte. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Le bâtard. Je voulais savoir si c'est possible de faire un stade de découverte au sein des mécanos, en sachant que moi j'ai de l'expérience dans le domaine de l'automobile. J'ai une Seat Ibiza 1.9 TDI stage 3 qui sort 800 chevaux. Donc j'ai renforcé le truc et j'ai fait un décata full cube. Alors moi je suis que mécanicien ici, je vais te répondre. Tu vois le monsieur qui a la veste violette là derrière? Ok, ouais. Faudrait que tu te diriges vers lui. Ok, ça marche, je me dirige vers lui. Voilà, merci. Merci madame. Attendez, gaffe, je dis que de la merde. Bonsoir, excusez-moi, monsieur Mécano. Ouais. Oui, je voulais savoir si vous faites des stages de découverte, en fait, dans les mécanos. En fait, bonsoir, je suis un passionné, en fait, d'automobile. Donc, en fait, directement, moi, j'ai un 8.9 TDI Seat Ibiza. Donc, j'ai fait un stage 8 dessus. Elle sort 1200 chevaux avec 8200 Nm. Donc, en fait, j'ai changé les billets de direction et j'ai renforcé le moteur avec un kit de réparation de ShiftTech. Donc, qui ont fait un partenariat avec Miltech directement pour la ligne. C'est une ligne Evox qui sort avec des pots Akrapovic. Donc, les sorties de pots, elles sont en Akrapovic. Pourquoi en titane X naturel titanium par rapport, en fait, aux 100 mm cubes que nous offre la sortie de pots. Et en fait, directement, voilà, 1200 chevaux. Et ensuite, j'ai fait un coverage chez Coverstyle, donc en fait, en Mansouri. Donc, c'est comme en finition Mansouri Sport. Donc, en fait, quand après la fumée elle sort de cette Ibiza, parce qu'en fait j'ai changé des bougies et maintenant c'est des bougies double platinium pour pouvoir renforcer. Tu postules pour un stage ou tu me fais un storytelling là? Bah, en fait, je postule pour un stage exactement parce qu'en fait, t'es un grand passionné. Il te vend ses connaissances, quoi, je crois, en quelque sorte. Écoute, Bogus, vas-y, te prends pas la tête. Moi, je suis juste manager ici. Si tu veux, le patron est là demain. Si tu veux venir à sa rencontre, okay. Y a pas de problème. Ok, est-ce ça marche. Tu veux que je prenne ton numéro comme ça? Ouais, je c'est le 23-23. Carrément, mec, carrément. C'est grave gentil, c'est le 23-23. Merci, Julie, pour ce septième mois. 23-23, ton prénom, s'il te plaît? C'est Stanislas. Stanislas. Eh bah, vas-y, bah écoute, demain, dès que le patron est là, je t'appelle et au pire, si tu peux venir. Ça et marche. Bah, Je t'organise une petite rencontre. Ça marche, tu gères, Baba. Stanislas, c'était pas mal. Merci à vous, c'était joli. De la technique, ouais. On sent qu'il y a de la connaissance. Hein. Merci, c'est gentil, les gars. C'est gentil. N'importe quoi sur son Ibiza. Merci, les gars. Bah, franchement, ouais, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup, les gars. Ouais. Vas-y, Babacan. Vas-y. Au plaisir. Vas-y, à la prochaine. C'est qui ça, Babacan? Sur la centrale, vous mettez la position. Bonsoir, monsieur. Et puis on arrive. De vous. Merci. Ouais, bien sûr. C'est quoi ce que vous avez? Je voudrais une réparation moteur, ouais. Moteur, pas carrosserie, le moteur. Le moteur, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Hop. Bonsoir, sergent 17, je préfère. Tac, tac, tac. Mes respects, mes hommages. T'as pas ta tenue, Armano? Non, j'ai un souci avec ma tenue, mais faut que j'aille faire pipi. Ok, claro, tranquille. Ah, c'est l'arbre à canne qui a touché les biellettes. Qui a changé les biellettes, faut faire les bougies. D'accord, parce que là, okay. En gros. T'as un cylindre qui a pété. T'as le joint de cul là, c'est rentré dans le cylindre. Et l'admission, le filtre à sport, faut changer. Faut mettre un filtre à air sport. Parce qu'en fait, sa mère, lui, le moteur, il a coulé. Et en fait, il a éjaculé sur les biellettes.
Et là, c'est là où on... Ah, okay. Et là, c'est là, il y a un problème. La batterie, elle a sauté. Claro, ok, ok. Et... Ah ouais, quand même. Ouais, donc là, faut simplement... Je resserre le boulon. Le boulon sport. Sur le FTX, RTX, titane bleu naturel. 4090 Ti. Et là, faut resserrer ça. Claro. Voilà. Donc l'admission, je te mets une admission ShiftTech. Oui, je te fais confiance à Roman. Ouais, je te mets une ShiftTech par rapport au Miltech. Parce que... Ils font des pots en aluminium de Xilium. Ça marche. C'est bon pour moi. C'est toi le mécano, de toute façon, Armano. Ouais, t'inquiète. Toi qui gère, hein, toi qui gère. Ouais, je te mets un Tmenek ShiftTech Milchek dedans. Ça marche. Ça va aller, Armano, non. Peut-être pas à ce point. Non, t'inquiète. Je vais m'occuper de la dame là-bas. Bonsoir, madame. Bonsoir. Excusez-moi pour le retard. Mais y'a aucun de soucis. Alors, dites-moi tout, qu'est-ce qui se passe avec la bécane? Bah, elle a un peu de mal avec le moteur, là, je sais pas, je me suis pas enfilé. Et moteur. Ce qu'elle me fait, là. Ok. Ok, vous me permettez, vous me laissez voir ça? Allez. Tac. Alors. Ok, peut-être me mettre des coups de gaz, s'il vous plaît, quand vous démarrez, allez-y. En fait, faut juste que je sente un peu l'odeur du pot d'échappement. Allez-y, mettez-moi des coups de gaz. Allez-y. Ok. Stanislas, on va quand même pas te péter dans le nez. Non, t'inquiète, je peux voir parce que le moteur, elle a dit. Vas-y, ok, ouais. Madame, mettez le frein à main. Mettez le frein à main et mettez des coups de gaz. Frein à main, coups de gaz, allez-y. Attends, ok. Le frein à main sur une mécane. Ouais, allez-y, spammez les coups de gaz, madame, spam. Ouais, ok. Burnez. Faites un burn. Donc voilà, ouais, ok, ouais. Mettez. Allez-y, lâchez tout, accélérez. Non, moi ça part pas, vous inquiétez pas. Lâchez tout, accélérez. Sinon, ouais. On n'est pas un stage d'école de mécano. Vous me fatiguez, hein. Non, mais en plus, voilà, c'est un peu. Mais Stanislas a des très grandes connaissances et ça. Il a quand même demandé à la dame de mettre son frein à main sur une bécane. Donc voilà, vraiment... donc chef, oh, bah, il y a vraiment frein à main sur les bécanes. Hein. Il y a vraiment frein à main sur les bécanes, mec. Non, c'est des freins, non. Quoi. Donc là, chef, ouais, il y a en fait la. Comment on appelle ça là? La chicane, elle est rentrée dans le moteur, donc elle a baisé les culasses et les biellettes de direction. Donc il faudrait juste changer l'admission du moteur pour ça. C'est simple. Voilà. Bon bah si c'est simple, parfait alors. Kama, je t'ai fini ta compta, je t'ai rempli le reste, t'avais oublié la SASP. Ouais, merci. Ta compta. Oh putain. Excusez-moi, pardon. C'est... Bon bah t'arrives, enfin, je vous laisse. Vas-y Stanislas, à demain. À dès demain. Je pense vraiment que je serais trop fort en tant que mécano ici. Ils sortent au moins tous sans moteur. Oh pardon, excusez-moi. Mec, il s'excuse, il est tombé sur un truc. Wesh, il bombarde le véhicule, on dirait. Attends, j'ai rappelé le gouvernement. Et à la boss. Oui, bonsoir. Attends. Oui, bonsoir. Ouais, je vous appelle pour savoir un truc. Les gars, ça passe en vrai comme vous ou pas? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, je vous appelle pour savoir le gouvernement se trouve au nord désormais, c'est bien ça? Exactement, à Paléto. Ok, très bien. Il y a actuellement des personnes là-bas qui travaillent. Normalement oui, il y a des gens qui sont en train de travailler, pourquoi? C'est pour déposer un contrat, pour, un CV pour pouvoir travailler au gouvernement, quoi. Ouais. Ok, très bien, bah, je vais voir avec les personnes sur place. Ouais, super, merci beaucoup, au revoir. Pas de soucis, merci, au revoir, oui, ouais, oh ouais, non mais ouais. Putain, j'ai failli être bien, je suis parti en couille à la fin. Ah putain! Y'a un mec dans le chat, il a écrit t'es majeur d'homme! Oh non, il va me tirer dessus, lui, c'est sûr! Oh non, merde! C'est bon! Oh non, il a une arme lui! Oh, c'est bon. Ah oui, y'a Dama qui doit m'appeler! Excusez-moi de vous déranger, je voulais savoir par rapport en fait, si vous pouvez faire ta gueule! Yeah.
Il a juste mangé, les gars. Il s'est mangé. Les gars, il s'est mangé. Venez, on l'attend là. Merci Altox pour le voir, c'est moi. Merci mon frère. C'est notre cellulaire de corps qui fait que... C'est le cellulaire de corps. Ils ont pas... Mais moi j'aurais pas fait attention, je pense. Ah ouais. Ah putain. Tu es là jusqu'à quelle heure? Pourquoi tu cries comme ça dans le chat là en majuscule? Je sais pas, moi je laisse jusqu'à quelle heure? Oh, je suis là en train de prier les fruits. Mais attends, mais ils sont périmés ou quoi les fruits? Pourquoi ils regardent de loin comme ça? C'était quoi ce saut là qu'il a fait? Il est bourré le PNJ ou quoi? Ah ouais! Ah ouais, ouais! Voilà. Donc je disais, les gars, par contre, ce qui était bien sur LSC, c'est genre on pouvait braquer, les gars, les épiceries. Les gars, sur LSC, vous vous souvenez ou pas, on pouvait braquer les épiceries? Et ça, ils étaient grave intelligents sur LSC. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le nord, il n'y a pas beaucoup de supérettes. Donc les gens, ils braquaient pas tout. Enfin, t'avais vite fait le tour. Merci Zoro pour le deuxième mois. Oh putain! Merde! Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir, messieurs, dames. Excusez-moi, vous dérangez-vous travailler au gouvernement? Oh, encore toi. Oui. Oui, très bien. Je voulais savoir, est-ce que monsieur le gouverneur est présent? Il est occupé, très occupé. Mais oui, il est là. Oh, très bien, merci beaucoup, vous allez voir. Il est pas là, hein. Il est pas dans les locaux. Hein. Hey, c'est bon, chef, j'ai fait un virement. Ah. J'ai fait un compte. Il se balade. Je voulais savoir juste, est-ce que vous faites des aides pour les personnes qui ont moins de 15 000 dollars sur leur compte bancaire? Non, prévu, oui. Tu m'envoies et appelez le maire. Ah, je c'est pour avoir son numéro? Oui, Bradley, déjà. Bien sûr. Contre 10 000 dollars, je vous donne son numéro. C'est important. Bah je peux pas. Comment 2056. Il... Attendez, parce que ça, je suis en train de regarder dans mes contacts. 2056. Ah putain, j'ai Kamal dans mes contacts, il me manque Kamal. Mais appelez le maire, ouais. Merci, madame. Ouais, non, mais parce que. Je vais le dire maintenant, s'il vous plaît. Parce que dans mes contacts, j'avais Kamal dans mes contacts. Vous savez pas qui c'est Kamal? J'avais Kamal dans mes contacts et il me manque. Pardon, j'ai. Ah, Kamal, mais pas Kamal. C'est ouais, il me manque. Parce que là, je t'entends dans mes contacts. Kamal, il me manque, Kamal. Et en fait. Moi aussi, il me manque, putain. Ah, il est indisponible, monsieur le maire. Il est indisponible. Tu veux donner un autre numéro? Ouais. Ouais, allez-y, ouais, carrément. Ouais, non, mais ouais. 6648. 6648, alors très bien. Je sais pas comment elle s'appelle. Elle fait partie de la mairie aussi.
pour qu'elle s'appelle. Et vous êtes monsieur ? Comment ? C'est Anna. Oui, bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger. Je suis avec monsieur Jefferson Peter, donc membre du gouvernement, et qui m'a donné votre numéro car j'aimerais prendre rendez-vous avec vous concernant un compte à découverte à Les Fous. C'est ok, tu vois quoi que, gueule, je... Hein. Que je te mette de l'argent ? Demain pour un rendez-vous et on voit ça ensemble, c'est possible ? L'euro. Si, alors après je pense que c'est pas que c'est avec moi qu'il faudrait voir ça, mais ok, pas de soucis. Vous êtes où ? Actuellement nous sommes déjà en rendez-vous. Ok, bah c'est où la mairie ? Dans le nord, mais on n'est pas dans le nord pour l'instant, on est dans le sud là, à l'actuel. Ok, bah ça arrive dans le sud si vous voulez. Vous êtes où là vous ? Je suis au gouvernement dans le nord. Bah écoutez, C'est avec Kamal et Jefferson. Je Jefferson, oui. Mais ça m'appelle pas Kamal, quand tu parles. D'ici 15 minutes au Custom Café. Au quoi ? Custom Café. Custom Café, c'est où ça ? Vas-y, comme ça tu me dis. Ok, ça marche, madame, ça marche, vas-y, ça marche. Ok, bah dans 15 minutes, donc à minuit, minuit 20 30, partez sur 30. À minuit 30 ? Si, plutôt, oui. À minuit 30, donc dans 20 minutes. Si, voilà. Vas-y, madame, au revoir. Au revoir. Au revoir, à tout à l'heure. Custom Café, c'est le truc. Ça vaut quoi, mec ? Comment je m'appelais ? J'ai dit, ça vaut quoi, mec ? J'ai cru que t'avais dit le N-word. Wow, non, t'es sérieux ou quoi ? Bah ça va et vous ? Bah tu me prends. Attendez. Ça va. Attends, deux secondes. Excusez-moi, messieurs dames, vous venez pourquoi ? Bah pour rien. Ok. On va faire payer et puis ensuite on se tient. Ils ont travaillé au chantier avec moi. Ah, travaillé au chantier ? Ouais. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. De toute façon, vous travaillez soit au chantier, soit vous tenez une supérette. Et vous faites quoi dans la vie ? Lui aussi. Moi, je fais, ouais. Je suis riche dans la vie. Voilà, non. Ça se voit, hein. Vous avez bégayé, donc vous faites rien comme nous. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de lire ça. Pardon. Pardon. Eh, monsieur ! Vous voulez que je vous débarrasse de votre canne ? Non, avec grand plaisir, merci beaucoup. On peut vous aider, monsieur. Bon, eh, monsieur ? Ouais. Bonsoir, jeune homme, ça va ? Bonsoir, ça va et vous ? Ça va, je peux vous dépanner ? Ah, oh bah non, c'est bon, je rejoins mes collègues là. Oui, merci quand même. Oui, mes collègues. De rien. Ouais, tu peux me déposer dans le système. Ça marche. Excusez-moi, juste la pelouse, fais attention. On marche pas dessus, s'il vous plaît, sur la pelouse. Ok, pardon, oui. Ah, c'est une pelouse, c'est fait pour. Et vous roulez sur la pelouse, vous croyez que c'est plus intelligent ? Ouais, mais s'il vous plaît, juste faites attention. La pelouse, c'est un lieu sain. Mais moi je suis vegan et je me bats contre la cause de la pelouse et les animaux. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous mettez les pieds. Pas de soucis. Au revoir. Et habillez-vous, madame. Ah, merde, oh, attention. Ça va, et toi, tu t'appelles comment, toi, mec ? Je m'appelle Bradley, toi. Tu sais que c'est la première fois qu'il y a un noir dans ma voiture. Et Bradley, comment ? Et Bradley Walters. Non, et tu fais quoi dans la vie, Bradley ? Et je fais rien du tout, honnêtement. J'étais à l'école, à l'université. Ok, donc t'es plus un clochard, en gros, c'est ça ? Oui, un peu, c'est vrai. J'ai dû arrêter les études pour me faire de l'argent, honnêtement. Ah, tu vas te lancer dans quoi, là ? Eh, je sais pas, honnêtement. Là, je fais des stages. Hein. Je cherche des gens pour faire... Oh, doucement, mec. Pardon, ça arrive. Ouais, je me suis endormi. Des stages pour... Bon. Pourquoi ? Bah, je sais pas. Je me tra... Hey, roule doucement, mec. Tu me fais peur. T'inquiète. Donc, tu... Ah, tu veux que je te recrute ? Du coup... Je travaille dans une bijouterie, si tu veux. Ouais, bijouterie. Bah, en vrai de vrai, j'aimerais bien faire des stages un peu partout pour savoir ce qui pourrait me plaire. Bah, si tu veux, tu peux faire un stage. Donc, moi, je le vends 500$ l'heure. Le stage. Donc, tu. Comment ? Tu me payes 500$, c'est ça ? Non, tu payes le stage. En gros, c'est un stage. Donc, tu apprendras beaucoup. C'est plus une formation en réalité. Si tu veux, c'est 500$. C'est... Tu restes j'ai avec. J'ai pas trop d'argent, honnêtement. Je te jure. T'as combien ? J'ai 220$. Sur toi, là ? Oui, sur moi. Vas-y, tu me les donner, t'inquiète, on fait ça. Non, s'il te plaît, après j'ai plus rien, je te jure. Bah 200 au moins, 200, allez. S'il te plaît. Allez, 200, allez. Et 100$. Bah, pas formation, tant pis pour toi. Mais t'aurais pu gagner beaucoup plus, c'est une formation, t'investis 200, tu peux gagner 4000. Mais je te jure, j'ai rien pour manger après. Bah oui, mais là t'auras 4000 pour bien manger. C'est mieux que 220. Je te donne. Quand j'aurai 4000 ce soir ? Ouais, demain soir, je pense, le temps que ça fructifie l'argent. Tiens, et je te crois. Vas-y.
Je t'ai mis dans la boîte avant. Parfait. C'est nickel. Et ouais, ouais. Et t'as un peu coffré en banque ou pas? Et non, j'ai rien du tout, honnêtement. Vraiment, quand je t'ai dit que je viens d'arrêter les études et que je cherche à me faire de l'argent parce que mon papa il est malade. Bah voilà. Ok, et ok. Comme ça, tu sais tout. Je vais te brancher, je vais te plugger sur des bails. Et toi, t'es qui, toi? Moi, c'est Stanislas. Je suis un peu le boss en ville dans l'illégal. L'illégal, moi, je connais pas trop. Moi, je suis plus. Non, mais t'inquiète. Une bonne personne. En fait, on dit l'illégal, mais c'est dans le sens qu'on. On fait pas de l'argent comme le gouvernement ils veulent. Mais on fait de l'argent quoi. T'as capté pas ce que je veux dire? T'as vu, moi, c'est pour ça que je conduis à contre-sens. Parce que je suis un peu contre. Je suis contre le. Tu vas faire de l'argent légalement. Tu comprends? Ouais, non, tu vas faire de l'argent légalement. Mais contre le gouvernement, en gros. T'as capté ou pas, ma gueule? Mais si c'est contre le gouvernement, c'est illégal. Mais non! En fait, celui qui est pour et qui est contre, c'est comme les animaux et les tilopes et les oiseaux qui fait qu'il est. C'est pas ça. Mec, papa. Mais quoi, tu m'appelais? Mec. Arrête de dire le N-word à chaque fois quand tu m'appelles. Mais je le dis pas, mec. C'est une dinguerie. T'es trop parano, je te jure. Mais à chaque fois, tu dis. Non, je dis mec. Mec, M-E-C. Oh pardon, excusez-moi. Oh putain, il vient d'atterrir le mec, putain. Ah putain, il fait chier. Putain. C'est bon, c'est dans le plan en gros, c'est ça le plan. Et là je te laisse monter avec moi. C'est à toi la moto. Merci mon kip, vas-y moi. Ouais non t'inquiète monte. Et en fait là c'est, j'ai fait exprès, en fait quand je rentre en ville je préfère passer en moto. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était la moto que t'as posée ici, parce que moi je rentre pas dans les motos volées et tout. Hein. Mais non, t'inquiète. Et on va trouver du travail, mec. On va trouver du travail. Ça marche? Oh. On va trouver du travail. Excuse-moi, je suis un peu peureux. Non, t'inquiète même pas. C'est quoi, tu vas devenir flic? Non, je. T'inquiète. Je veux pas. T'inquiète. J'ai des plugs. Y'a pas de t'inquiète. Non, mais je suis branché, t'inquiète, je suis branché. Et ça se spécifie, bonsoir. Bonsoir madame, excusez-moi, c'est possible de venir à l'accueil, puis tout à l'heure je sonne. Je vous appelle directement à l'unité, mais ça va être un peu compliqué là, on a des agents pris en otage. Si okay, vous pouvez revenir dans un peu plus longtemps. Vous êtes où madame? C'est possible, c'est urgent. Il y a une bombe là sur quelqu'un là, faut que je vous la montre. Il y a une bombe sur quelqu'un? Quoi? Ouais, j'ai quelqu'un avec moi, il a une bombe dans son sac. C'est il possible. Il a une bombe dans son sac? Pour de vrai, je vous jure là actuellement, et en gros il veut pas que je m'arrête, il veut juste que, bah, que je reste avec moi. Vous êtes où? Dis-moi, j'arrive. Alors non, je peux vous faire venir où il y a plein de personnes, mais attendez, juste restez avec moi. Ça va. Vous êtes où là actuellement avec la bombe? Là, on est en moto. Il me dit si je m'arrête, je m'explose. Au niveau du Weather News. Attendez. Hein. Au niveau du Weather News. Bah au pire, vous voulez pas vous arrêter et j'appelle l'unité? Le problème c'est que si je m'arrête, il m'explose. C'est pour ça en fait, il fait. Arrête. Il fait exprès comme ça, je m'arrête pas et vous avez pas joué. Arrête. Ok, on va faire un truc. Il y a un policier qui va vous appeler. Okay, c'est une personne qui gère de la bombe squad, donc c'est lui qui va pouvoir désamorcer la bombe. Mais comment le mec il. Vous allez tout simplement lui dire. J'ai peur. Vous allez tout simplement lui dire. Quel fil on doit couper? Vous êtes. Ok. Ok, vous ça marche. Lui dire ça, marche. Vous êtes, okay ça marche, ça marche. Mon numéro c'est 2323. Ok, c'est ça, ouais, c'est 2323, ouais. Ok, l'officier va vous appeler, d'accord? Ok, merci. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais elle est trop bête, mais comment le mec il va le laisser par l'autre baiser? C'est dingue, Non, mais. Non, la pauvre, elle est en stage, c'est sûr. Je lui ai dit en plus, je suis au poste, je suis en train de sonner, putain, là, il y a personne. Et après, je lui ai dit que je suis en moto. Rappelle-la, devant lui, son grave, pitié. Allô? Qui? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est qui à l'appareil? Stanislas. Écoute. Je suis actuellement avec quelqu'un, il a une bombe sur lui, il est dans mon dos. Je vous avoue que là, je suis pas disponible, je suis... C'est pas grave. Des otages d'agent. Ok, on reporte ça à demain, t'inquiète. Ça marche. Ouais, parfait. Parfait, à demain, au revoir. À demain. Au revoir. Mais c'est des baisers. Attends, mais c'est des. Attends, quoi? Mais il parle de. Mais elle est trop bête, elle me dit quoi la main? Mais attends, je lui ai dit on reporte ça demain, il a dit ouais, vas-y, on reporte ça demain. C'est des ouf. Ils sont trop bêtes, hein. Toi, tu voulais faire quoi là en ville là? Eh bah, au custom café.
Je te guine. Attends. Comme ça, tu vas... Bah là, honnêtement... Et d'ailleurs, attends. Tu m'as fait penser. Attends, pousse. Je dois appeler un mec. Attends. Attends, je... Oh. Hey, yo, Andrew. Hey, dis-moi. Hey, je voulais savoir. Hey, tu sais pas un endroit où je pourrais faire un stage parce que les gens, ils m'ont tous dit dans 2-3 jours. Ils m'ont tous dit dans 2-3 jours. Ouais, je vais faire un stage dans 2-3 jours dans des enseignes. Bon, les gars. Hey, je voulais savoir si tu connaissais pas un endroit où je pourrais faire un stage. Ouais, tu veux faire un stage dans quoi? T'as un truc en particulier ou pas? Ou tu t'en fous? Oh. Ouais, je suis en mode découverte. Les gars, j'allais te faire un stunt, les gars, je vous jure. Plein de gens derrière, regarde. Ah ouais, ça? Ah ouais. Devant la banque. Ok, ok, ok. Personne ne bouge. Oh, papa, monsieur. Personne ne bouge, personne ne bouge. Personne ne bouge. On bouge pas. C'est une fusée de détresse, foutez de ma gueule. Personne. Amico. Tranquilo. Pourquoi tranquilo, mais pourquoi elle crie, on l'entend pas? Mais... c'est un faux, je rigolais, c'est une blague. Je suis pas ton gouverneur, c'est une blague, c'est une blague. Tu te calmes, hein. Alors tu t'arrêtes là, tu reviens là. Tu vas contre le mur, s'il te plaît, mon petit gars. Si, mais... C'est pété un câble ou quoi? Monsieur... Tu ne bouges pas. Hop. Je suis pénétralisé. Deux d'entre vous, j'ai dit quelqu'un va avec lui. Madame, c'est une blague, madame. Contre le mur, toi. Tu vas contre le mur, okay. Appelle la police. Non, c'est une blague. Mais vous avez tenté de prendre en otage monsieur le maire, là. Mais non, madame... Ah, c'est monsieur le maire. Ah oui, c'est monsieur le maire contre le mur. Mais justement, je voulais vous appeler parce qu'en gros, mon compte, il est en déficit. Allez, Scucha, mais tu vas contre le mur, on voit ça après, d'accord? Mais ah, mais c'est vous qui m'avez rappelé en plus, monsieur le maire. Contre le mur, une fois. Monsieur, contre le mur, s'il vous plaît. Monsieur le maire, mais c'est moi, vous avez rappelé. Si, bonjour, il y a un homme qui... Madame, sautez, vous avez un moustique, madame. Alors comme ça, on s'amuse à braquer monsieur le maire et sa sécurité. Mais c'est pas moi, c'est mon collègue, il m'a dit braquer. Allez, vous deux, savez là, ce que vous en courez? Mais j'ai rien fait, madame, je vous... La prison à vie, monsieur, la prison à vie. Madame, j'ai rien fait. Maintenant, j'ai pas de problème, je vous jure. Les gars, la police, il est bonne de l'illégal, il a pas le droit. La police arrive pour vous, messieurs. Tu veux jailler à Alcatraz, c'est ça? Je m'en occupe. Pardon. Je m'occupe du cheveu orange, là. Oui, merci. Levez les bras. Levez les bras. Lève les bras, madame. Tranquille, madame. Levez les bras, dépêchez-vous. C'est bon. Vous palpez. Cheveu orange, lève les bras. Aïe. Ouais, je suis dingue. Maintenant, on attend la police. Eh, t'es solide, Bradley. Regardez bien sa sacoche à succès. C'est elle qui tape. Monsieur, ouvrez votre bouche, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs. Mais j'ai rien fait, je vous jure. Ah bon, la tête contre le mur, la tête. Qui fait s'enfuir, on va essayer de prendre en otage monsieur le maire. Eh, où est-ce que tu vois, toi, à gauche, là? C'est pas vrai. Monsieur le maire, s'il te plaît, monsieur le maire, s'il te plaît, dites-lui, monsieur le maire. Mais j'ai rien à voir, je vous promets. Une personne vient me voir, s'il vous plaît, et m'explique les choses. Ok, c'est elle. J'arrive. Non, pas vous, retournez là-bas, vous. Stanislas, contre le mur. Mais en gros, on a fait une caméra cachée parce qu'on est des youtubeurs. Mais allô, la caméra? Vous, c'est mon téléphone. Bah oui, c'est mon téléphone. En fait, lui, c'est mon cadreur et moi. En fait, il a pas filmé. Bah, je me suis dit, en fait, depuis tout à l'heure, il me dit, c'est pas votre collègue. Mais non. Il cautionne pas. En fait, on va faire comme Ibra TV et son pote là. Et en fait. Je connais pas. C'était une blague. En fait, on fait des vidéos sur YouTube. Oui. Regardez, on les a braqués avec ça, y'a rien dedans. Ah, mais non, ça non pour quoi? On vient rien. Stanislas, tu es vraiment nouille. Doucement. Je suis vraiment nouille. S'il vous plaît. C'est lequel? Lequel? Ça, signoré. Celui qui avait le truc. Voilà, lui là, qui a le truc rouge. Mais non, mais on fait des vidéos sur YouTube. Oui, c'est uniquement lui. Mais mets ta masque, mais regardez. On fait des vidéos sur YouTube. Rangez ce que vous avez en main, voilà. Nickel. Rangez votre téléphone, monsieur, s'il vous plaît. Mais en fait, on est youtubeur. Parfait. Monsieur, j'ai rien à voir, monsieur, j'ai rien à voir. Mais non, s'il vous plaît, j'ai rien à voir. Mais non, mais c'était un prank. Merci à vous. Tentative de prise d'otage sur. Quoi? Mais non. Monsieur, je vous jure, j'ai rien fait, j'étais caché derrière, je sais pas. C'est bien pris, monsieur. J'ai rien à voir avec lui. Allez, bon courage à vous, merci pour votre activité. Oh non. Espèce de con, il est sérieux ou quoi? Dis-moi, j'ai rien à voir. Eh, mon collègue, il a. En fait, il est complice, mais il est complice de la vidéo sur YouTube là. Vraiment, je vous. Ah, eh, vraiment, moi, je suis désolé, moi, la version des deux agents du gouvernement, c'est que le monsieur va prendre. Mais monsieur, les agents du coup, s'il vous plaît, dites-lui.
Dites-lui que j'étais caché, s'il vous plaît. Vous étiez complice. C'est vrai qu'il était caché. Monsieur. Allez, Stanislas, arrête tes bêtises. J'avais des démangeaisons au besoin. Écoutez-moi. Arrête, moi, arrête. Je suis un honnête citoyen. Allez, contre le mur. Oui. Je peux parler ? Vous n'êtes pas le patient de sécurité. Allez-y. Mais non, j'ai rien du tout. Vous êtes un honnête citoyen, oui. Oui. Vous faites pas patient de sécurité. Mais moi aussi, un honnête citoyen. En fait, le problème est tout. Attendez, je vous explique. Dites-moi. Là, on a des agents du gouvernement qui sont, du coup, évidemment, assermentés. Je vais vous prendre votre pistolet de détresse. Qui nous explique ce qui s'est passé. Malheureusement pour vous, vous aurez besoin de négocier autant de fois que vous voulez. On ne pourra pas être clément avec vous puisque ça ne s'est pas fait directement avec nous, mais avec eux. Monsieur l'agent, si je vous jure, si je vais en cellule, je suis mort, mon père. Merci parce qu'il peut troisième mois. Je vous jure. Mais si ça roule pour Prime. Faites attention à vos fréquentations, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez hop, il y en a qui monte là-dedans. Oui, fais attention. Je vais vraiment mourir. M-O-U-R-I-R. M-O-U-R-I-R. Oui, bien sûr. Ah oui, il a raison. Bah, c'est ça, c'est écrit comme ça. Ouais, file un coup de main, ça. Non, attendez, il n'y en a qu'un seul qui va monter. Ah si. Mais en fait, mais non, mais c'était une caméra cassée. Vas-y, allez, je te lâche au poste. Monsieur devant. Oui, mais oui. Dis-leur que j'ai rien à voir. Mais il est complice, il a rien à voir. Elle est complice, hein. Il y a un paradoxe dans votre voix là. Non, mais s'il vous plaît, il va mourir. Il est complice, je lui ai rien à voir. Non, il est complice, donc il a rien à voir. Il est complice de rien à voir, c'est ça. Okay. Mais non. En fait, il est complice, j'ai rien à voir. Non, les gars, il va pas se faire ban, c'est de ma faute. Ah, c'est un crime de ne rien avoir fait. Mais en fait, on a fait une vidéo sur YouTube et c'était pour l'entertainment, quand on voulait faire semblant. Ah oui. On voulait en fait, la vidéo, c'est on proc des gens dans la rue. Faut me dire, non mais faut me dire. C'est pour ça, en fait. C'est en fait SBR. Courage, hein, parce que vous êtes sur le sergent. Mais c'est pour la sobriété, en fait. Faut me dire, non mais faut me dire. C'est pour la sobriété, en fait. Enfin. Je m'en veux tellement. Jure, Lara Croft. C'est pas une photo Lara Croft. Lara Croft. J'ai engueulé radio pour lui dire que j'étais pas fait de répéter les choses et juste en même temps, je suis kidnappé. Prenez mon téléphone, il est entre mes dents. Parce qu'en gros, j'avais dit oui, pour l'instant, bonjour, ARS. Bonjour, Lara Croft, prenez mon téléphone. Il est entre mes dents, allez, prenez-le. Ok, je le prends. Allez-y. Mais prenez pas entre ses jambes. Attendez. Ah, c'est bon. De toute façon, il a quoi? Pouvez nous prendre en photo, s'il vous plaît, Lara Croft. Non, je suis pas Lara Croft. Ça va aller, oui, hop là. Hop, on t'envoie le bousin. Pas besoin de me soulever, déjà c'est marché, déjà de 1 pour commencer. Non, ça se voit, vous êtes un potent. C'est pas autant. Je suis pas mon bien. Venez par là, pas mon bien, toi. Je te parle plus. Faut me dire. Allez, restez là, un agent va s'occuper de vous. Très bien. T'es pas les droits, je vous jure, j'ai rien fait. Eh oh, monsieur, vous faites quoi? Allez hop, ça donne. Tu partiras plus comme ça. C'est bon. Allez, arrêtez-vous. Voilà. Ouais, on met sur le côté. C'est bon, une troisième? Non, c'est bon. Jamais 203. Non, c'est bon. Ça va, 06? Vous avez. Vous rendez compte? Vous avez. Mais non, mais c'était une caméra cassée. Vous voulez dire que c'était une caméra cassée? Bah ouais, mais monsieur, vous en prenez aux mauvaises personnes. Vous faites une caméra cassée. Bah oui, mais. Hein. Bah je peux vous expliquer. On a la vidéo, on est youtubeur bah, en fait. Mais je ne peux rien faire. Mais on a beaucoup de followers, on est des stars et vous faites ça quoi. Vous faites quoi? C'est Hugo Marshall? Ah non, c'est Stanislas. Mais oui. Mais en fait, on est des youtubeurs, on a beaucoup d'abonnés, on est riches et en fait, c'est pas. Très bien. Vous avez quelque chose à déclarer sur vous? Une arme à feu? Non. J'ai pris son fusil de détresse, si jamais. Mais c'est un nerf. J'ai pris son fusil de détresse. C'est un nerf, c'est pour faire semblant. Et le MS, il est plus là en service. Donc pique votre hachette, c'est votre batte de baseball. Allez-y. Je les laisserai, ok. En fait, vous comprenez pas la charge mentale d'un youtubeur. Bah non, du coup, vu que je suis pas youtubeur. Alors, je vais tourner, s'il vous plaît. Ok, c'est Stanislas. Oui. Pas du tout. Comment ça s'est passé la bombe? Ah, ça c'est bon, on a réussi. Attends, laisse-moi faire ma procédure d'amour là. Tu me parles à quoi tu seras parce qu'on a eu, il va rester un moment. Carte d'identité, s'il vous plaît. Tentative de prise d'otage sur agent du gouvernement. Non, pour de vrai, c'était. Stanislas Dos Santos, il est actuellement minuit 1. Je sais pas.
sommes le 26 février 2024, vous êtes déjà présent placé en état d'arrestation pour tentative de prise d'otage sur agent du gouvernement. Merci Voldemort. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous devant une cour de justice. Le droit d'un avocat d'avoir un avocat pendant votre interrogatoire. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office. Le droit de visite médicale ainsi que de la nourriture et de l'eau. Avez-vous bien compris vos droits? C'est bien compris. Voulez-vous faire valoir un de ces droits immédiatement? Non. Juste pour rien manger. Très bien. Et un avocat. Très bien. Ok. Non, je veux me défendre moi-même. Je sais pas si vous allez pouvoir. Ok, ok. Ouais. On va vous laisser un peu les menottes le temps de. Ouais, voilà. Chin-chang-chori, nana-chan-chino. Pardon. Dis donc. Vous connaissez la musique? Je crois que c'est un crime pour vous. Hein. Je pense que vous allez sortir avec un bracelet électronique, vous allez aller au tribunal. Hein. Mais c'était une caméra cachée. Il n'y avait même pas de balle dans le char laser. Déposez vos affaires. Mais je vous connais, Stanislas. Bon, je, clac. Hein, je sais. Ça y est, j'ai déjà le bracelet en plus, ça y est. Votre sac. Oui, monsieur lecteur. Monsieur lecteur. Ça l'aime, moi, c'est DVD. Monsieur lecteur et DVD en un enfant. Comment s'appelle-t-il? Taisez-vous. Lecteur de DVD. Monsieur lecteur. C'est une dinguerie de t'appeler monsieur lecteur. Putain, ce blase de con. Monsieur lecteur. En plus, c'est légal en Amérique d'avoir un pistolet de détresse. Ok, le balleur vert, il y a quoi comme danger? Oh, mais Stanislas, t'as pété un câble. Allez, dépose tes affaires. Ouais. C'est bon, je viens de déposer. Ok, bien, viens avec moi. 17 à proximité de la place des cubes, on aurait la 6. Pourquoi tu décides de te foutre dans la merde comme ça? Je sais pas, vous voulez faire une caméra cassée, moi. Oui, allez, va dans la cellule, là. Mais c'est pas des styles de blagues à faire, Stanislas. Je peux te parler? Non, mais s'il vous plaît, mais faut me dire. Putain, les gars, je vais reprendre 30 000 d'amende. Je crois que je vais prendre plus, les gars, là. Putain, et je crois que je suis le seul joueur à prendre autant d'amende en si peu de temps, ça. Mais les gars, il est dans la merde, mon collègue. Demain, tu live, ouais, demain, les gars, je live. Oui, parfait. Excusez-moi. Les gars, j'ai découvert un nouveau bruit. Wesh. Excusez-moi. Non, lui là, Stanislas. Excusez-moi. Tiens ton plateau repas. Merci. Merci. On est en train de se démerder, mais vous êtes dans une sacrée sauce, hein. C'est moi de vous le dire. C'était un prank, hein. Vous reconnaissez tous les faits que votre collègue était complice un petit peu? Non, en vrai, il n'a rien à voir, vraiment, on se trouve dans la rue. Non, je dis vraiment, non. Rien de rien. Bon, allez, toi, viens avec moi. Lui, libérez-le pour de vrai, non, il a vraiment rien fait, genre. Libérez-le, l'autre, libérez-le. Ok, merci, okay. Merci. J'ai un RDV à 30, les gars. Il est 3 minutes de retard. Okay. Au custom café, je. Le rendez-vous. C'est pour me déposer. Oui. En face. T'as envie de faire vite, ça tombe bien, moi aussi. Ok, ça marche. Alors, il est actuellement minute 33. C'est ça. Le 26 février 2024, nous démarrons un nouvel interrogatoire et si présent. Ouais, Serge Shane Nesta et. C'est ça. Excusez-moi. Tout à fait. Oui, excusez-moi. Ok, c'est bon, je l'ai. Vous l'avez. Ok, bon. Pour le coup, il va falloir des informations si vous voulez que je vous aide. Je vous explique globalement. Quoi? Je dis ok, t'écoutes. Ok. Globalement, là, je suis normalement dans l'obligation. Bon, je Norman? Petit refus d'obtempérer. Faites un effort. Ok, j'écoute pour de vrai. J'écoute. Ok, 1, 2, 3, j'écoute. Ok. Faites un effort. Ok, promis, fais un effort. Là, en vrai, promis, j'aurais juste à sortir mon TPE. Promis. Et à vous mettre votre putain de crime au cul et à repartir mon cul en patrouille. Promis, je fais un effort. Là, je suis en train d'essayer de vous sortir de la sauce. Ok, ok. Globalement, prise d'otage sur gouvernement, c'est un crime à hauteur de.
Ça a coupé. À hauteur de 20 000 dollars en nominal. Ah ouais. En nominal. Ah ouais. Ça peut monter jusqu'à 40, je pense. Oh. 45-50 même. Donc, je suis en train d'essayer de sauver votre petit cul, Stanislas. Et ça, c'est pas pour rien, d'ailleurs. C'est vous avez été à la pointe et venez de la colline, etc. Et je... Voilà. Ok. C'est senti. Voilà. Maintenant, je vais tenter de vous faire passer un prise d'otage sur agent de l'État ou le gouvernement. C'est pas son délit majeur, mais pour ça, il va me falloir du croustillant. Vous voulez faire vite, ça tombe bien, moi aussi. Ok. Ok, ça marche. Je vous écoute. Pour faire du croustillant, en fait, c'est simple. Donc, moi, je vous conseille. Donc, pour faire du croustillant, en fait, par exemple, pour des tenders. Ah, vas-y. Non, fais gaffe. Attends. Et pas oui. De blague comme la bombe, hein, s'il vous plaît. Hein. Non. Non, parce que là, je sens qu'il va me parler de mettre un truc au four. Je vais péter mon crâne, je vais le mettre dans celui pour la nuit. Non, promis, c'est pas au four, promis. En fait, pour faire du croustillant, c'est simple. Donc, je vous conseille d'écraser des frosties. Vous prenez votre panure de poulet et vous la mélangez dans de la panure. Alors, moi, je propose qu'on le mette du coup en cellule et qu'il dorme ici toute l'année. Non, on va le laisser une heure, on va revenir. Ça ok, vas-y, ça marche. Allez, une heure. Allez, c'est parti. Je serai pas là, moi, une heure. Non, mais là, bah, on vous laisse venir, quoi. On vous enferme. Ah, ok. Et vous en sortez pas, du coup. Bon, alors, Stanislas, balance des trucs. Attends, juste, je coupe. J'ai rien à balancer, vraiment, j'ai aucune info. Pour la vie de mer, j'ai aucune info. C'est vraiment genre rien du tout. En fait, je suis pas assez en ville pour avoir des infos. Vous avez le nez qui s'allonge. Non, pour de vrai. C'est si seulement. Là, je vais pas pouvoir faire grand chose pour vous, faites aucun effort. Laissez-moi vous le dire, faites aucun effort. Mais de toute façon, moi je rush les moins 100 000, donc mettez-moi une. Là, bon, en vrai, c'est pas grave. Ça va aller vite, vous allez au tribunal et tout, ça va vous prendre du temps, de l'argent, tout ça. Je rush les moins 100 000, moi, de toute façon. Ok, bon, de toute manière, je vais appeler. Bon, vu votre cas. J'ai pas, les gars. Vous avez déjà un petit casier judiciaire, monsieur Dawson. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, oui, bon, ça va partir au tribunal, c'est sûr. Braquage supérieur. C'est trop court, c'est pas grave. Fudop, entrave au FUDOP, non-recensement. Lui, il a fait la putain. Ouais, il a fait, ouais. Le 29-01, vous avez un jugement qui est non classé. Très bien. Eh ben, je vais vous remettre en cellule, je vais appeler votre avocat, parce qu'il va vous en falloir un, et un procureur. Ça marche! Ça va. Tu pourrais juste avoir mon téléphone pour appeler des ombres qui m'ont appelé? Bah non, désolé. Bah non. Ah. Et non. Vous avez vraiment rien à nous donner, je peux pas faire passer en délit majeur. Bah si, j'ai un truc, moi. Oui. J'ai des infos, je travaille au Rockin' Sox. Et le Rockin'. Oui, non mais vraiment, t'es pas fini, pour de vrai. Oui. Il revient. Chef! Mais attends, il y a vraiment une info! Chef! En fait, l'info pour de vrai, c'est une info! Bah non, c'est plus risqué que d'ouvrir des RC. Ça me dégoûte. Ah non, mais tu crois que ça me fait plaisir de venir au poste pour donner des cafés et des cupcakes? Non, mais on leur donne vraiment ça? Chef, en fait, j'ai une info. Le Rockin' Sox. Ils blanchissent. Oui. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des factures illégales. Venez. Et moi, je travaille là-bas. Pour devoir regarder, c'est mon contrat de travail, donc c'est une vraie info que je vous donne là, que c'est bon. Ah non, c'est pas celui-là. Attendez. Tac. Non, c'est pas celui-là, putain, c'est bien. Ah, contrat de... Ok, celui-là. Et voilà, je travaille vraiment là-bas. Et regardez, c'est toujours Omar et tout. Et en fait, là-bas, ils blanchissent de l'argent. Oui, venez, oui. Ça m'intéresse. Dans le sens, en gros, que souvent ils prennent des rubis et les rubis, en fait, ils vont faire quoi? Ils vont parfois les changer. En fait, ils utilisent même plus l'argent comme moyen de d'achat et revente. Ils utilisent les diamants et les rubis pour l'achat et le revente des armes dans l'illégalité. Attendez. En gros, c'est un business. Donc, en gros, les armes en ville, souvent, les grosses armes, elles s'achètent avec des diamants. Et des rubis. En fait, ça permet d'avoir un business souterrain sans que personne voit les transactions d'argent.
Est-ce que vous êtes absolument certain de cette info? Sachez-le. Bah, je travaille là-bas, c'est même moi qui prépare. C'est même moi qui prépare les diamants. C'est moi qui prépare quand on me dit ouais, il me faut 3 rubis pour une cargaison. Ils me disent pas de quoi. Après, j'ai mené un petit peu mon truc et j'ai vu que voilà quoi. C'est-à-dire, j'ai mené un petit peu mon truc. Bah, dans le sens que quand on me dit qu'on faut préparer 3 rubis sans notifier qu'il y a 3 rubis qui sortent de l'entreprise, c'est que c'est bizarre. Donc voilà. Donc en fait, le fait qu'ils sortent 3 rubis de l'entreprise et sans que je dois les déclarer, et bah forcément, ça sortait là au black. J'ai un peu suivi donc le patron Omar. Et j'ai vu qu'il fait des transactions bizarres parfois au niveau du port, enfin ça dépend d'où. Et voilà. Donc j'ai vu des armes, enfin ils avaient des armes dans les mains. J'ai du mal à avaler la pilule, je vais pas vous mentir. Bon après, parce que si vous me demandez des infos, après si vous voulez faire le bâtard à faire semblant. Non, c'est pas une question de faire le bâtard, c'est. C'est comme je vous dis, moi ça m'arrange, moi ça vous arrange vous. Si vous voulez, j'appelle un haut-parleur là, si vous voulez. Vous allez appeler qui? J'appelle Adama, c'est mon patron. Ok, va chercher le téléphone du monsieur, s'il vous plaît, casier. Combien? 14? Ouais, 14, ouais. Pardon, excusez-moi. Par contre, mais moi je voulais l'anonymat, donc ça va être saut. Hein. Regardez, il va sûrement me dire que j'ai une mission dans pas longtemps. Ok. J'ai encore s'il du vous mal plaît. À y croire. Mais... Hop. Tenez. Merci. Par contre, moi, je demande la liberté là. Après, ça, c'est une dinguerie. Sans s'en vous donner. J'appelle Adama. Ah, il est indisponible, Zabi. Oh non. Il est indisponible. Oh merde, il est. Alors, il est plus là, je crois. Ah merde, il est indisponible. Parlez bien de monsieur Flénoy. Hein? Parlez de qui? Adama comment? C'est son de famille. Ah, je sais même pas. Il ressemble à quoi? À un noir. Oui, merci, mais et quoi d'autre? Ça doit être Flénoy. Il habite au niveau du quartier là. C'est pas loin du quartier, pas loin du cimetière même. Et c'est spécial bonsoir. Ok. C'est quoi son numéro? Alors ça, c'est je veux une promesse de exonération d'impôts. Tenez-moi ça. 85-30. Vous pouvez vérifier, c'est bien ça. Hein. Allez voir, je vous mens pas. Ah putain, je peux prendre un risque de dingue, mais je dis toi, je pourrais me faire virer pour ça, quoi. Dites-moi c'est ça, quoi, en fait. C'est quoi le risque? Bah, que je me fasse virer. Pour quelle raison? Pour t'avoir laissé partir, sans rien. Bah, il est où le risque du... Bah, c'est que c'est des gens du gouvernement qui... Ça aurait pas été des agents du gouvernement, j'aurais la main, là, c'est compliqué d'avoir la... Bah, c'était un prank, il a merdé le prank, et voilà, quoi. Aucun risque, hein. De toute façon, c'est. Vous voyez, j'avais même aucune. La prise d'otage sur civil est passée en délit majeur, ça rend dingue. Non, mais j'ai aucune munition sur moi, je n'aurais rien pu faire avec le gouv, quoi. Et en plus, je suis pote avec le gouverneur. C'est mon gars de okay. Fou. Ok. Vous êtes pote avec le gouverneur? Bah ouais, je peux l'appeler maintenant si tu veux. Quand je l'appelle. Hey. Carrément, j'aurais dû lui demander qu'il me dise maintenant, lui, qu'il me libère. Je l'appelle. Tac, tac, tac. Peut-être il est en rendez-vous, peut-être. Mais il répond pas, hein. Ouais, il répond pas, ouais. Mais vous inquiétez pas, enfin, il va dire c'est bon. Bon, je vais vous garder à l'œil, monsieur Stanislas, je vais vous laisser partir net, blanchi, comme jamais, ok? Merci beaucoup. En vue des informations qui m'ont été données, par contre, je vous assure que s'il n'y a rien qui est ni vérifiable, ni
de tout ce que vous m'avez dit, il est vrai. Je préfère vous couper maintenant. Moi, à l'inverse, j'ai envie de vous dire que quand vous allez découvrir que ce que j'ai dit, c'était vrai, je veux rester dans l'anonymat le plus total, d'accord ? Oui. Parce que oui, sinon, je suis mort, M-O-R-T, bah oui, dans le vrai sens du terme, dans le sens où je vais mourir. Ah bah oui, ah bah et là, vous êtes mort, c'est que vos futures générations. Oui. Voilà, c'est ça. Donc en fait, l'information que je vais donner, c'est l'information de fils de puce. On est d'accord, on est d'accord. Et il préfère juste, voilà, donc en gros, juste pas mourir, s'il vous plaît. Donc voilà. Ok, vu qu'effectivement, on sait jamais si ces personnes ont infiltré le SASP, je préfère qu'il n'y ait pas de traces informatiques concernant votre arrestation. Okay. Parfait, bah voilà, mais juste... Faites attention quand vous allez appliquer les informations parce qu'ils sont vraiment bien armés. Enfin, bref, vous allez comprendre dans le sujet après dans le temps. Ouais, bon, il y aura une guerre, il y aura un nouvel arc là bientôt là. Quoi ? Ah ouais, le 2. Attendez, vous avez un bracelet ? Ouais. Masterclass, ça, parfait. Bon, allez, par contre, faudrait me le retirer parce que ça fait 8 mois je l'ai. Non, ça ira. En fait, je suis vraiment arrivé en ville avec. On m'a mis ça pour me surveiller. Ah ouais ? Ouais, c'est relou. C'est pas grave, au moins le temps de cette affaire. Oula. Pardon, c'est tombé sous votre sarre, madame. C'est une blague. Oh là là. C'est une blague, c'est avec Bella. Allez, Stanislas, tu vas le con là. Ah, au revoir les collègues. Non, pas de collègues. Oh, le dégradé sec, pourquoi t'as fait entrer comme ça autour de ta tête ? Maman, mais pourquoi qu'il me pose des questions ? Mimort ! Mimort, on me dit Mimort ! Ouais, tes grosses tresses oranges là, carrément, on dirait un panneau de signalisation. Mimort, qu'est-ce que tu me racontes ? T'es flic, toi, Mimort ! Mimort, t'as changé de camp, toi, Mimort ! À la base, on écoute la police. D'ailleurs, toi, espèce de petit bâtard, Mimort, c'est quoi que t'avais volé là-bas ? Ah ben, nous, Mimort ! Eh, moi, j'ai la cousine, et je te raconte pas ce qui s'est passé avec la cousine, Mimort ! La cousine, Mimort, mon chef ! Et la cousine, elle a des tours, Mimort ! Tu veux dire, Mimort ? Mimort, bah, bien sûr, Mimort ! Qu'est-ce que tu fais en cellule, toi ? Qu'est-ce que tu prends là ? Je sais pas, moi, je raconte pas Mimort. Sache que t'es un connard que je veux plus te parler. Attends, je l'appelle. Tu veux quoi toi? Yo, salut Bradley, c'est la messagerie de Stanislas. Je voulais tester ce message vocal pour te dire je te baise, je t'ai bien niqué et ils t'ont ouvert un casier judiciaire. Donc voilà. Donc tout ça pour te dire ça Bradley. Allez, ciao Bradley. Espèce de connard, espèce de connard. Espèce de connard, t'es un connard. Oui, oui, bonsoir, monsieur le maire. Oui, qui est-ce? C'est monsieur Stanislas à l'appareil. Oui, qu'est-ce que vous me voulez? C'était pour savoir, possible d'avoir un rendez-vous au Custom Coffee? Custom Café, pour faire quoi? En fait, j'ai une amende à payer là, je suis endetté de moins 15 000 $. Depuis, ah oui, depuis des mois, j'aimerais que vous me la faites sauter, s'il vous plaît. Bah, je peux pas vous la faire sauter, c'est pas possible, hein. Bah, comment on fait? On peut pas s'arranger, avoir un travail, un truc, un délire, un... Ah, par contre, si vous voulez un travail, oui, il y a du boulot, il y a... Ah, bah, parfait, bah, venez, on en parle là-bas, s'il vous plaît. Bah, Allez, super, merci, à tout de suite. Je peux pas venir tout de suite, j'ai déjà un rendez-vous. Venez, maintenant, vous reportez vos rendez-vous après. Merci, à tout de suite. Non, à tout de suite. Allô, c'est qui? Comment ça, c'est qui? Bah, c'est qui? C'était ça. Tesla, ça te dit quoi, mon ref? Ça va et toi? Ouais, ça va, tu travailles où maintenant? L'unicorne? Bah non. Ah, ok. Toi, tu travailles là-bas? Non, moi, je suis pas une puce. Mais, du coup, je travaille pas là-bas. Attends, viens, mon quartier, parce que là, je suis un peu occupé. C'est quoi ça? Grippe. C'est quoi ça? Tu vois la raquette? Derrière, attends, je t'envoie une pause. Mais me drague pas, hein. Commence pas à me draguer, s'il te plaît. Oh là là. Me drague pas, d'accord? D'accord, tu mourras pas. Pas trop roux, moi. Moi, je suis pas trop roux. T'es plus quoi? Bah... Viens. J'arrive, vas-y, envoie-moi la pause, j'arrive. C'est elle, les gars, Tesla. Salut! Mais non... Yo! Non, vraiment, BLM. Salut. C'est quoi, t'arrives pas par la porte d'entrée? Je suis désolé, mais en fait, faut savoir que sur le GPS, la route était là, mais y a pas de route en fait, comme vous dites. On dirait qu'on est au Cambodge ici, hein, c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Attendez, pourquoi on nous a fait venir?
pour du business, vous voulez me CU sur non, des non, plans. Non, t'as merdé. Vous voulez me sucer des là, plans. C'est Stanislas, vous me... c'est ça, non. Ouais, Stanislas, vous voulez me voler des trucs. Vas-y, c'est quoi la merde que t'as fait là récemment? Je sais pas, devenir riche et avoir plein de plans business. Et avoir des parts dans des sociétés. Non. T'as fait une merde là récemment là. J'ai fait une merde, qu'est-ce que j'ai fait que... Ouais. Tac. Gouvernement, tout ça là, raconte vite, si je vais devoir te faire parler. Gouvernement, plus ça va être méchant. Gouvernement, je suis exonéré d'impôts. Parle, Stanislas, je veux avoir une discussion avec toi, je sais que t'es un mec bien mature. Tout ça, t'es intelligent. Ouais, donc, non mais je veux une bique qui je tape comme Bobby Shmeuda, je sais pas dans mes rêves, je suis à Meuda, les Poucas vont les Garodave. À gauche. Ouais. Ah, Bradley, ben ouais. Ah, vous me parlez de la prise d'otage qu'on a failli faire. Ouais. En fait, on est monté sur un coup avec Bradley. On voulait prendre en otage le maire. Bradley voulait prendre en otage. C'est ça. On voulait faire ce plan-là. Tu as commencé à m'énerver. Tu m'as sorti une toche, à croire. Tu m'as sorti une... Je sais pas, un pétard. Ok. C'est mieux, là. Ok, ouais, là, ouais. Ah, ouais. Ouais, ok. Tout doux. Du coup, je vais le ranger et on va discuter comme des vrais hommes, Stanislas. Ok, ouais, c'est bon. Alors, oui. Vas-y, oui. Du coup, dis-moi la vraie histoire, s'il te plaît. Je veux le vrai contexte. Parce que j'ai grandi avec Bradley. Le contexte, c'est quoi? C'est qu'en fait, on était tranquillement en train de se balader en moto avec Bradley. Il était dans le nord, je les ramène dans le sud. Boum, on tombe sur le maire. Je me dis quoi? Moi, je me lançais sur YouTube. C'est quoi? Je dis à Bradley, film, on fait une caméra cachée, je braque le maire. Je commence à braquer le maire. Bradley, boum, ils le prennent en complicité de braquage. Et hop, on finit au comico. Finalement, ils ont rien mis. Fin de l'histoire. Ils vous ont rien mis? Ouais, ils ont rien mis, finalement. Mmh. C'est dur. Bradley, t'as eu quoi? Il m'a dit que j'ai eu une ouverture de casier. Mais non, c'est moi, je t'ai dit ça, mais je rigolais, connard. Sinon, le flic, il te l'aurait dit. Mais je sais pas. Bah ouais, y'a rien. Bah regardez sur... Mais pourquoi tu fais ça? C'était un prank. J'ai pas de problème. Mais moi j'ai pas filmé, tu mens, c'est pas vrai, tu lui dis pas la vérité là. Bah oui. Et dis-lui la vérité, il t'a dit. Désolé Mamadou, en fait, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est que... Il a rien fait lui, c'est juste moi des c'est braqués. Quoi Bradley. On retourne chez toi, y'a ta maman qui va t'attendre. Eh vas-y, vas-y. C'est mieux, tu vas manger toi. Viens, Stanislas. Ouais. On va te faire visiter. Il a dit. Cambodge, je vais te montrer nos habitations, tout ça. Tu vas voir comment on est civilisé. C'est comme ça. Bah en fait... Viens, on lui fait visiter le Tchèque. Putain, votre quartier... La prochaine fois, il connaîtra bien. Votre quartier, il est incroyable, les gars. Ouais, il a aucun sens, on dirait un rêve. Mais bon. Il a aucun sens, c'est vrai, en plus, on est vraiment au Cambodge. C'est une dinguerie. Il a vraiment aucun sens. T'as fait une blague raciste. Il n'y a aucune blague raciste, frère. C'est une réalité, là. Il a aucun sens au cas. T'es mal, frère. Il y a un truc pour le soleil. Il n'y a pas de... Vas-y, arrête de grotter chez ta grand-mère. Viens. Au moins, ma grand-mère, elle est là. Refais une blague raciste et je vais te mettre tellement de bleu que tu vas être aussi noir que moi. Je viens de faire une blague de fou sur... Vas-y, viens avec moi. Je l'ai pas entendu. Hop. Ton quartier, frère, on dirait un mélange de Familiz, du Cambodge et... Chiap. C'est ma frère. Dingue. Les Avengers. Je te laisse rentrer. Emma, frère. Cette pièce. Emma, c'est un F1, même pas équipé. Et même pas de salle de bain, rien. Ah, tu me prends pour une pute. En mode, moi, je suis une salope. Hein? Je te ramène dans mon checks, je te fais visiter. Ouais. Vous allez me faire quoi? Attends, on va te faire quoi, ouais. Vous allez me taper. C'est ça. C'est ça, les gangsters. Mmh. C'est ça, maintenant, les gangsters. Non, vous allez me taper. Je suis là pour t'éliminer ta vie. Je suis là pour t'illuminer ta vie. Ah, mes vieux! Vas-y, les gars, vous savez ce que vous allez faire. Baisez lui sa grand-mère, il veut mentir. Vous avez rien à faire, esquive. Oh, bah ah, esquive. Hop. Hop. Esquive. Esquive. Aïe! Esquive. Aïe, aïe! Aïe, arrêtez. Arrêtez. Oh, c'est bon, stop. Stop, les gars, stop. Les gars, stop. Vas-y, mettez-les sur la route là.
Je sais pas. Allez, merci. Ça va aller, boy. Ça va aller. On va te déposer, yo. Et les EMS vont venir, yo. T'inquiète pas. Tesla, je crois, il fait une crise là. Putain, Tesla, c'est une donneuse de go, ça. Les gars, c'est une donneuse de go, j'ai le démon. Attends, je fais un petit massage cardiaque avant et ensuite on verra. Vas-y. Allez, boy, reste avec moi. Allez. Il a pas besoin de bouche à bouche. Ok, bah, il respire. Il est arrivé quoi ? 2, 3, c'est bon, il respire. T'as pas besoin de faire du bouche à bouche, je crois. Pas besoin de bouche à bouche. Attends, t'es sûr, il respire ? Attends, prends son pouls. Respire pas ? Elle galère à respirer, je crois, t'es ça là. Oh, mais il cache sa bouche, je peux rien faire, dommage. Yes, elle peut rien faire. Elle voulait me galoche pour me faire un. Putain de merde, yo. Non! Bah, je pense qu'il m'en révèle. Les gars, elle voulait me. Essaye d'appeler, essaye. Et je les appelle. Elle voulait me galoche pour me faire des trucs! Elle veut niquer ma relation avec Bella! Malade, elle! Mais elle est malade! Attends, mais ils sont pas ouverts, ils se foutent de ma gueule. Comment ça, ils sont pas. Attends, on va le ramener. Je crois qu'il va mourir, hein. Pourquoi il fait le loup? Et là, ouais. Une voiture. Eh, bien fait pour ta gueule. Vas-y, va le ramener à l'hôpital. Bradley. Porte-le. Porte-le, ramène-le à l'hôpital, vas-y. Parce que là. Vas-y, c'est bon, je m'en occupe. Ouais, c'est bon. Vas-y, Bradley. Vas-y, merci. Il t'est arrivé quoi? T'as pris une voiture? Ils ont appelé des médecins quoi? Et juste fais pas ça devant les médecins, s'il te plaît. Ça devant eux, je te jure, ils vont péter un câble. Je t'aurais prévenu. Bonsoir. Messieurs, il faut déplacer les. désolé, excuse-moi. Il a déplacé un blessé. Bah, je sais pas, je crois qu'il s'est fait renverser par une voiture. Ouais. Monsieur, vous m'entendez? Oui, mais. Excusez-moi, il vous est arrivé quoi? Vous êtes sûr qu'il s'est fait renverser par une voiture? Je sais pas, je l'ai pas vu en fait. Il était là au sol. À l'aide! Oui, je vous en tout cas, je vois des bleus sur son visage là. On m'a cassé la gueule, je crois. Ah, vous s'est cassé la gueule du coup. Oh là, c'est putain. Je t'ai dit que je suis pas au courant. Je me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Ah, j'ai mal à la mâchoire. Ok. À l'aide. D'accord. Ne vous inquiétez pas, ça va aller, monsieur, ça va aller. Ça va aller. Assis, monsieur, assis par terre. Et down. Explique-nous ce qui s'est passé. Mais en fait, moi je me souviens, on m'avait appelé et il y avait. On m'a dit de venir ici, après je me souviens plus, on m'a tapé la gueule, je crois. Ok, est-ce que vous vous souvenez quoi? On vous a tapé la gueule ou pas? Non, avec un bâton, je crois, un bat de baseball. Ok, je vois qu'il y a quand même des petits hématomes au niveau de la tête. Est-ce que vous pouvez retirer le haut, s'il vous plaît? Oui. Vous aider. Oui. Hop là. Si vous avez mal à l'épaule, un petit peu, j'imagine. Oui, okay. Et en fait. Et en fait, moi, et en fait,
Si, bougez le bras. Vous arrivez à bouger le bras ou pas? Oui, un peu. Oui. Un peu. Vous avez mal quand vous bougez le bras, oui. À l'épaule? Oui. Oui, non. Regardez ça. Non. Oh mon dieu. C'est quoi cette pilosité? Oh mon dieu, c'est quoi cette pilosité? Quoi, vous me disiez parce que je suis gay? Oh mon dieu, c'est une dinguerie. Quoi? Bah après, si vous êtes gay, vous faites ce que vous voulez. Hein. Madame, ça va pas? Mais madame, mais madame, mais madame, enfin, non mais oh, elle a dit ça, elle a dit ça. Voilà, on est à l'hôpital. Elle est opérée. Non, pardon, pardon, excusez-moi. Mais vous avez... Non, je dois arrêter de crier. Merde, faut le mettre sous un coma artificiel. Non, j'ai plus le droit de crier, j'ai plus le droit de crier, pardon. C'est vrai, désolé. Pardon. Et tu dis pardon où là? Tu dis pardon à qui? Pardon. Ouais, désolé, ouais. Ok. Eh, je pense, moi, faut l'emmener faire un IRM, tout le tralala. Hein. Une, un live IRL. Non. Pardon. Non, non. Je crois qu'on va vraiment l'emmener en plus, hein, je crois. Hein. Excusez-moi, pardon, excusez-moi. Donc, ouais, t'as dit, t'en penses quoi, c'est toi le médecin là? Un urbex pendant que tu y es. En fait, je pensais que la personne avait juste des hématomes au niveau de la tête, donc ouais. J'ai eu une poche de glace, mais ça a pas l'air. En fait. Non, si, vraiment, c'est un hématome. Ça a l'air d'avoir touché quelques neurones. Non, non, vraiment, non, ça va. Ça fait 8 fois, c'est à l'hôpital, c'est ça. Non, il est toujours t'as comme ça, j'ai toujours vu comme ça, moi. Ok, ok, t'arrêtes les blagues. Les blagues, pardon. Du coup, oh, ça tire. Vous avez mal exactement. Là? Non, ça tire. Mal là. Ok. Et hey, le téton. Non, c'est le bras là. Là, c'est le téton. C'est le téton, madame. Non, non, c'est le bras. Hey, t'as Daron qui court à gauche, Bradley. Derrière moi. Ah ouais, non, c'est vrai. Non, mon fils, j'arrive, qu'est-ce que ça passe? Tu vois quand même des petites traces de brûlure au premier degré au niveau du torse? Ah ouais, un peu, ouais, ça arrive. Est-ce que vous êtes fait tasé, monsieur? Allez, Dieu, laisse on va mourir, on va nous écraser! Ah, c'est bon, on m'a fait demi-tour. C'est bon, elle est partie. Ok, j'ai eu peur. Mais on va jamais s'en sortir, on va jamais s'en sortir. Est-ce que vous êtes fait tasé, monsieur, ou pas? Tasé? Ah oui, c'est vrai, tout à l'heure. Est-ce que je vois, il y a des brûleurs au niveau de. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. En tout cas, je vais vous mettre un peu de pommade. Je vous donne une poche de glace parce que vous avez un joli hématome à l'œil. Ouais! Allez-y, ouais. Je te promets, tata, je vois. Et je vous mets un peu de. Pommade au niveau de. Ouais! Ouais, non, mais ouais, carrément, on peut faire ça, ouais! On va faire ça, y'a pas de soucis. Ouais! Mais à force, je vais vraiment vous amener à l'hôpital. Hein. Non, vous allez non. être hospitalisé là-bas. Non, s'il vous plaît. Mais on va vous laisser là-bas, vous allez dormir à l'hôpital. Mais là, j'ai rien fait de mal. Là. Tu le fais bien, tu l'imites bien. Hein. Mais c'est ma façon de parler, c'est un peu comme ça, c'est expressif. Ah oui, bonsoir, et samedi, que plus cher pour vous. Tu y a le paillasson, il est toujours. T'arriveras toujours pas à me draguer, Tesla. T'arriveras toujours pas. Mon cœur est désappris. Ah, ok. T'arriveras okay, toujours pas. Ah, mais en plus, elle est jolie, elle a les couleurs chocolat, tout ça. C'est pas mal, quoi. C'est. Ah, mais. Ben, non, non, c'est pas, on sent pas là. Hey, hey. Elle n'a pas de gagne chocolat. Mais monsieur, vous pouvez soigner seulement, en fait. On dit. J'ai le droit de vivre, madame, non? J'ai le droit de vivre, non? Pourquoi le je la. Et vous pouvez fermer votre gueule? Pas mal, celle-là. Bien dit, ça, bien envoyé. Si je vous frappe, moi, j'ai aucun répit, hein. Attends, attends, ça, refais le truc, non, on my snake. S'il vous plaît, quoi? J'ai jamais dit ça. Mais non, quoi? Elle s'est mise devant moi en plus, hein, j'ai pas compris pourquoi elle était devant moi. Elle avait dit un truc, c'est stylé, genre. Elle allait me frotter à la gueule! Ah, il parle du collier, quoi. Putain, il sort d'où? Il est fou, le médecin, il est fou. Madame, s'il vous plaît, me frottez pas la gueule, quoi. Ok, c'est bon, ça va mieux. Merci, monsieur. Merci, ouais, ça va beaucoup mieux, madame. Déjà, c'est pas snake, c'est mec. Non, c'est ça me la facture. Oui, ça veut dire collier. Ouais, ça me tient. C'est collier, oui. Et je sais pas, il aime bien quand je lui dis ça. Mais en fait, on dirait, dit le N-word. C'est quoi? Ça y est, le. Ça fait ouais, flipper okay, en fait. C'est tout bon, monsieur. Vous ça me fait payer, j'espère. Vas-y, mon frère, on est ensemble. Ouais, on vous laisse, hein, on vous laisse, s'il vous plaît, gardez-le. Je te check, madame la médecine. Oui, oui, oui. Check, ça te refuse pas, un check, ils sont morts oui, pour ça. Bah, je. Oui, oui, non, mais je ne refuse pas. Bah, accepte-le, mon check. Elle refuse. Voilà, elle accepte. Vas-y, ça accepte. Essaye de l'embrasser pour voir, essaye de l'embrasser. Non. M'accepte! Non mais oui, mais Jacques, mais il veut pas comprendre! Elle accepte! Un gros bisou! Non! T'as vu, elle refuse! Attention, vas-y, accepte! Oui, j'accepte! Ah, en fait, parce voilà, que. C'est bon? Ah, c'est oui, en fait, oui, voilà, oui, t'as compris! Voilà, il a compris, c'est bien! Pose plus de questions! Attends, vas-y! Passez une bonne soirée, oh, non, messieurs et dames, en tout cas! Bonne soirée! Allez! Bonne soirée, madame! Oui! Bonne soirée, viens, Bradley! Eh les gars, je peux devenir Renaud avec vous, s'il vous plaît? Mais pourquoi ton torse il est comme ça? T'as capté ou pas? C'est le bronzer, t'as capté? C'est les pecs, t'as capté? Gros pecs, gros bras. T'as capté?
C'est pour ça en fait, t'as capté ce que je veux dire ou pas? Mais pourquoi t'as rasé comme ça? T'as capté, c'est parce que en fait je suis trop beau gosse. C'est-à-dire les meufs elles font que de m'attirer, elles font que d'être attirées par moi. Ça veut dire se cache. Que... Il t'aime bien quoi. Non, il m'aime pas, il m'a dit. Mais je l'aime pas moi, ma gueule. Mais si, il est intéressé, je te jure. Je suis concentré sur un objectif, mon frère. Je suis concentré. Moi, je suis concentré, moi, commence pas à me déconcentrer. Sur qui? Sur toi, je te le dis, sur toi, mais il non, veut pas le dire. Mais non, il a dit, il m'aime pas. Ça regarde app, mais ça regarde app. Qui aime bien. Je t'aime en amitié, en boulot. C'est qui lui? C'est quelqu'un du quartier. Ah, il a l'albinos. Je sais pas. J'ai pas osé demander. Excuse-moi, t'es albinos? Pourquoi? Parce que t'es le seul du quartier qui est comme ça. Comment ça, je suis le seul? Ouais, re-blanc. Et en fait. T'es le seul du quartier qui est albinos. Non, je rigole, t'es albinos pour de vrai? Ouais, pour de vrai. Comme calage criminel. Bah ouais, comme pareil, ouais. C'est un peu la rêve des albinos. Et dis-moi, t'as écouté son dernier son avec Freeze Corleone? Non, même pas. Ah, ok. T'as écouté ton bradet? Mais ça existe même. De quoi? Et le son avec Freeze Corleone. Bien sûr, t'as écouté ou pas Tesla? Non, j'ai pas écouté, hein. C'est sûr, t'écoutes de la musique classique, toi? Moi? Ouais. Non, du tout. C'est sûr, t'écoutes des musiques comme tout le monde? C'est-à-dire, dis-moi. T'écoutes juste du bolide allemand, du. du vent des vents d'avant. C'est le même son, mais bon. C'est vrai ou pas? Mais attends, mais c'était avec toi, j'ai écouté le toit dans la voiture, non? Qu'est-ce que t'avais écouté? Ah oui! Ouais. Ah, j'avais rendu même, t'étais venu avec ta pote! Ouais, ma cousine. Mais elle voulait pas monter avec toi. Elle est restée deux jours en ville! Donc, j'allais me faire recenser, moi. Vas-y, viens, ouais, je t'emmène. Ouais, non, c'est moi qui conduis. Vas-y, viens. T'es pas la voiture, les gars, à nous prêter? Je sais pas si c'est une voiture au quartier. C'est bien comme prénom Tesla, en vrai. Ça te va mieux que Tesla. Eh frère, elle s'appelle Tessa, frère, c'est une dinguerie. C'est pour ça que j'appelle Tesla, moi. Non, vous, faut vous baffer. Mais t'as vu, je t'ai dit qu'il était attiré par toi. Je ne crois pas. Qu'est-ce que tu veux pas te le dire? Mais t'es un ouf, toi, vas-y, voilà, t'es un ouf. Vas-y, va manger du caca, mon frère, ça y est, frère, à un moment donné. Ça y est, t'es fou, quoi. C'est un ouf, lui, c'est un ouf. C'est un ouf, là, lui, c'est un ouf, il est baisé ou quoi, ma gueule? C'est un ouf. Quoi, on n'est pas concentré ou quoi? Bonsoir, excusez-moi. Voilà un bus pitié. Les gars, on m'a volé mon truc. La police, elle m'a volé mon pistolet, les gars. Je peux même pas voler le bus. Salam, Tobias, salam le chat. Ça dit quoi, Xenetis? Hop là. Oh, qui est en zone C avec moi? Frère, on s'en fout. Nous, on sera toujours en live, ma gueule. Ça va la donne, ça va là, hey! Demain, il y en a qui sont en cours! Ah merde! Les gars, qui a cours demain là? Qui a cours, les gars, demain? Allô, bonsoir! Allô, bonsoir? Lucien. Ouais, hey, y a Tessa qui nous prête une voiture. Vas-y, voilà, c'est à l'église là. Quoi? C'est à l'église. Non, mais tu m'as dit jure quoi? Voilà. Quoi? Non, c'est au niveau de l'église. Tu me vois là, c'est là où t'es. La soeur. Wesh! 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 Mais pourquoi t'as fait un truc comme ça là? En vrai, j'ai pas le permis, c'est toi tu dois conduire, c'est illégal sinon. Bah ouais, frère, t'es un ouf ou quoi? Toi, tu veux être dans l'illégal, toi? N'importe quoi. Ouais, je veux pas trop. Bah oui, parce que t'es con, quoi. T'as pas le droit. Bon, on doit aller où? Je dois aller me faire recenser. Vas-y. Non, je prends une amende, dis mon Dieu.
Il y a quelqu'un qui s'est renseigné si j'avais un casier judiciaire, quoi. Et du coup, il m'a baisé parce que là, ils veulent que j'aille me faire recenser. Ah, donc t'as pas de casier? Non, j'ai pas de casier, du coup. Bah oui. T'avais peur? Je fais une blague. Gros peureux, va. Oui, j'ai peur. Aïe. T'as même pas le droit de conduire sans permis? T'as dit quoi? T'as même pas le droit de conduire sans permis? Ben, je sais pas, j'évite, hein. Sinon, je vais me faire arrêter par la police et après. Ah, le bolos! Ah, la merde! Ah, la merde! Moi, c'est. Elle a même pas le droit de voler des voitures! Ok, tu veux prendre un round 2, tu te moques de moi? Non, désolé, pardon, désolé. Je vais appeler. Non, non, appelle pas. Et je vais pas appeler les mêmes. Je vais appeler mon deuxième papa, mon troisième. Ça y est. Ça y est, appelle pas, ça y est. Je l'appelle pas. Parce que tonton Andrew, il rigole pas. Hein. Appelle, même ta mère, même. Ok. Et t'as de la chance qu'il répond pas. Cher. Et va à gauche. Merde, va pas comme ça, mais va pas comme ça. C'est plus rapide. Attends, viens, ils sont toujours en dessous. Ouais. Oh. Ouais, la police, ouais. C'est pour un recensage. Ah, viens, y va. Excusez-moi. Bonsoir. Excusez-moi, c'est pour un recensement en haut, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est pour un recensement. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez sortir. Pardon, ok. C'est bon, t'as terminé ou... Je crois que j'ai pas le droit de faire ce que je viens de faire là, non? Hey, salut Miyabi, ça va? Le mec il est mort. Hey, c'est Bradley, tu te rappelles de moi? Tu veux... Hey, je viens pour tester les toilettes japonaises, est-ce que c'est possible? Bah là c'est fermé, là on a fermé il y a pas longtemps. Ah merde, et c'est quand tu prends un stage? Bah je sais pas. Attends, c'est toi qui venais de la part de Bash ou pas? Je sais plus. Ouais, c'est moi, c'est ça. Celui hier qui a testé les toilettes japonaises et qui était avec toi, quoi. En plus, les clients, okay. Je les ai satisfaits, je leur ai passé des serviettes chaudes. T'es fatigué? Non, je me fracassais le visage. Ok. J'ai envie d'aller sur Fortnite, les gars. Bah, demain, t'es dispo ou pas? Eh, je suis dispo tout le temps, Miyabi. 3, 2, 1, je raccroche. Trop tard, je raccroche. Vas-y. Ouais, salut, moi j'y vais. Salut, bonne nuit. Vas-y, mec. C'est ton numéro sur son Bradley. Il a coulé Kamal. Non, Mskin, il est bon des légal en vrai. Il a le démon. Il a le démon, mais ça va lui changer un peu de faire du légal. Vas-y, les gars, moi je suis grave chaud pour du Fortnite, les frérots. Petite session Fortnite en balle. Eh, hey, les gars, je viens de penser que. En vrai de vrai. Peut-être qu'au Maroc, je vais stream, hein. Je sais pas. Streamerel, non. Je vais être à la campagne, mon frère. Y'a rien à stream. Genre, vraiment, je vais être perdu. Les gars, je vais vous faire des stories.